Merci pour l'abonnement, j'ai pas vu c'était qui. J'ai des petits problèmes que j'essaie de régler. Allez, let's go. Ouah, la musique est trop forte. T'inquiète, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Oh putain, je crois que je vais supprimer ce truc parce que là. Si, merci, mère. J'ai encore des trucs à préparer. Ça, c'est ok. Je dois gérer les sons, les pistes, les overlays, les alertes sont bonnes. Les emotes sont ok. Une streamlit est ok. J'ai l'impression de lancer une fusée. Je dois tout vérifier pour voir que ce soit parfait. Le chat, il est là. Vous ne le voyez pas encore, mais moi, je suis en mode studio, je le vois. Chrome, je crois que je vais le désactiver. Non, 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 non. Ça va, ça ne l'a pas lu. Ça l'a pas lu. Ok. 43 secondes. Stream kit, je vais être seul, je sais pas si ça vaut le coup de l'activer. Est-ce que la cam elle bug? La cam ne bug pas, ok. 30 secondes. Capture le jeu, faudra que je change. Ah, il faudra que je choisisse aussi le son du jeu. Va baisser un peu la musique peut-être, faut pas exagérer. Si vous voulez les playlists de live, vous pouvez faire point d'exclamation. Alors le F, ça donne quoi l'étude? L'étude de quoi? L'étude de quoi? Là, je bosse. Là, je fais le site pour mes clients. Je bosse là-dessus. Tous les soirs, il va y avoir un live sur un nouveau jeu. Je veux dire, je bosse déjà là. Ok, le minuteur est arrivé à zéro. Je quitte le mode studio. Alors du coup, il n'y a rien. Faut que je lance le jeu. Et là. Koubé, let's go. Ok, Steam se lance. Oui. Allez, il est où? Propriété. On va enlever la musique. Ok. Ok, il faut le son du jeu maintenant. Capture, c'est bon. Son jeu. Sélectionner le jeu. Firewatch, il est là. On commence un peu en avance, non? Ouais, il reste 10 minutes en vrai. Donc ça, c'est bon. Spotify, on verrouille. Le son, c'est verrouillé. Est-ce que les musiques sont banger ou pas dans le je parle pas à mes musiques mais genre dans le jeu, est-ce que je laisse mes musiques en fond ou je les mets pas?
Banger les assets, merci, merci. T'as le petit oiseau qui bouge en bas à gauche là. Ok, ça marche, on fait ça. Tous les 100 bits, j'enlève un vêtement. Ok. Je vais juste augmenter le son. Je vais baisser le son de Google, sinon ça va me buter les oreilles à chaque fois. Et il y aura le replay sur ma chaîne YouTube, logiquement, si c'est pas trop long. Et il n'y aura pas le son des voix qui parlent. Si je peux me faire pardonner de cette voix, c'est si je suis concentré sur le jeu, vous m'envoyez un message, je le saurai, quoi. Mais il n'y aura pas sur la. Il n'y aura pas le. Normalement, il n'y aura pas. À moins que ça passe par mon micro. Comme pour les musiques d'ailleurs, hein, parce que j'ai pas trop le droit en fait, de mettre des musiques normalement. Est-ce que je fais les jeux en français ou en russe? Français. Fiche les sous-titres, oui. Luminosité, ok, graphisme. On va peut-être éviter. Bon, on va laisser en élevé. Hein. Commande. Alors, est-ce que ça serait pas en ZQSD ou je sais pas quoi? Si, alors. Reculer à gauche, c'est pas grave, je la réassignerai à droite. Activer, désactiver la course et R. Ok. Ok. Zoom, ok. Donc, il y a quoi qui n'est pas assigné là? Il n'y a rien qui n'est pas assigné ici. Image gauche, soulever la radio. Flèche du. Attends, quoi? Flèche gauche? Quelle galère, faut que je retire ma main pour jouer complètement. Faut que je retire ma main. Non, mage gauche. Mais non, mais flèche haut, c'est quoi ça? Flèche bas. Escalader, barre espace, utiliser, Z avancé, ok, zoom. Carte, MN. Wow, en vrai. Ah ouais. Ok. Ok. Ouais, c'est les dialogues. 23. Alors, je sais pas si Flat est là. Si jamais. Mais. Ok. Par contre, j'ai. Je suis un peu deg d'avoir acheté le jeu parce que j'ai activé mon mois de Game Pass gratuit avec mon PC portable et j'ai obtenu un mois de Game Pass gratuit du coup. Et dedans, il y avait Firewatch. Mais bon, en vrai, je l'ai eu pour 4 balles à la place de 20 ou je sais pas quoi. Donc voilà. Mais dans mon Game Pass, j'ai obtenu 3 mois de Discord Nitro. Donc je me dis, je vais faire peut-être un giveaway cette semaine. Et du coup, le giveaway, ça sera peut-être pas demain soir, mais peut-être jeudi soir, je ferai un giveaway sur la chaîne Twitch. Par contre, les conditions pour participer, c'est un peu compliqué parce que le code fonctionne que si la personne a déjà, enfin, n'a pas encore pris d'abonnement de Nitro dans le passé. Ça fonctionne que pour les gens qui n'ont jamais pris de Nitro. Du coup, bah, pour participer, il faut ne pas avoir de Nitro. Et je peux pas vérifier. Alors si je donne le code au gars, il peut l'utiliser, puis il va se rendre compte, ah bah merde, je peux pas, il va le passer à un pote. Bon, un peu chiant, mais bref. Il faudrait que je mette en place un giveaway du coup. Il est quelle heure? Il est quelle heure? Il est 24. Y a Thomas Douceur qui vient de m'envoyer un message. Pour les deux. Moi honnêtement, pour les deux. De fou mec, j'ai tout compris. Bon, si jamais le chat il gêne, enfin, je peux le retirer de l'écran. J'ai pas compris. Pas grave, hein. Bon, les gens qui aiment Firewatch, ils viennent pas là?
J'ai vu qu'il y avait énormément de followers, il y avait genre 23 000 followers ou je sais pas quoi. Je remets la musique ou je lance un peu en avance. Bah, je compte terminer le jeu déjà. Et quand j'aurai terminé le jeu, je sais pas encore. Je verrai ce que je ferai. Peut-être que je ferai le giveaway ce soir, hein, s'il y a du monde. Même ça m'étonnerait un peu quand même. Bon, let's go. On va commencer. Si jamais le chat gêne, du coup, je supprimerai le chat, quoi. Enfin, je le désafficherai. Même chose pour les overlays, si ça gêne trop, je les bougerai. Et même chose pour la cam, je peux à tout moment, genre là, imaginons la cam elle est trop grande ou elle cache un truc. Je peux, hop, réduire. Bref, c'est bien fait, quoi. On y va? Vous avez le son du jeu, peut-être pas assez fort, je vais le monter. Vous avez le son du jeu là ou pas? Go, ok, on y va. Nouvelle partie. J'espère que le jeu va tourner sur mon PC. En vrai, ça fait 2 jours que je joue à It Takes Two, c'est des jeux avec des graphismes de fou furieux avec ma sœur. J'ai pas eu de problème. Au pire, on le fera en cloud gaming. Mais bon. J'avais déjà pas compris qu'il fallait appuyer. J'aurais pu attendre longtemps. Elle a à peu près votre âge, elle approche de la trentaine, elle rit avec des professeurs sur le 31 et des jeunes diplômés de l'université de Colorado à Boulder. Vous, Henri, êtes allé boire avec des amis. Vous êtes éméché. Ah, c'est un jeu à choix. On va se calmer, on va éviter de. Foncez droit là, Henri, calme-toi. Vous avez du mal à articuler, vous souriez maladroitement. La biologie et l'évolution répondent-elles. Et je suis professeur, coulez. Répliquez-vous, et toi? Demande-t-elle. Elle renifle doucement. Je vais un peu diminuer le chat, parce que j'ai l'impression que ça cache un peu. J'ai failli vraiment arrêter le live sans faire exprès là. Bref. Et toi, demande-t-elle, elle renifle doucement. Tu te moquais de moi, demandez-vous? Elle répond que oui, espérant ne pas vous avoir froissé. Elle vous demande si vous voulez partager un cheeseburger avec elle. Une semaine plus tard, vous êtes le petit ami de Julia. Eh ben, dis donc, c'est une fille facile, hein. Ah, stylé, ça commence déjà. Le jeu a l'air déjà incroyable, rien comme ça. Ok. Ah super, il y a déjà une touche qui fonctionne pas. Paramètres. Commande. Je peux pas aller à gauche en fait, je sais pas pourquoi. Cette touche est utilisée par lire objet. Faites une autre sélection. Mais je t'emmerde. Ah non, mais ça bug là. Comment je fais du coup? C'est utilisé par quoi? Par lire objet porté. Ah bah, je vais devoir les inverser, mais je vais devoir mettre une touche complètement aléatoire en attendant. Donc,
Maintenant, là, je peux mettre Q. Et là, je vais mettre A du coup. Ok. C'est bon, je peux rejouer. J'ai une voiture, c'est ma voiture, oui. Vous êtes ensemble depuis plus d'un an. Attends, ma souris, elle passe au-dessus. Ah non. Elle vous rend complètement dingue, c'est génial. Vous emménagez avec elle et allez partager un appartement près de l'école avec une vue magnifique sur les montagnes. Vous buvez des bières sur le ponton, vous buvez de la bière, où que vous soyez. Ça se trouve, il y a un support manette, hein. En vrai. Attendez, je prends une manette. Donc j'ai joué avec des manettes tout à l'heure. Donc en vrai, s'il y a des manettes, aise, hein. Ça me facilite la vie. Y a un support manette. Julia a envie d'un chien. Il y a un petit Bugle, un peu négligé. Julia l'adore. Elle veut l'amener dans sa classe. Il y a également un berger allemand un peu effrayant. Mais au regard doux, il n'arrivera rien à Julia en sortant un chien comme ça, il assure. Du coup, soit berger allemand, soit un Bugle. Moi, j'adore les Bugles en vrai. Bucket est un bon chien. Et au bout de quelques semaines, vous avez complètement oublié l'autre chien. Julia l'adore, vous aussi. Je vérifie bien le son du jeu. Ok. Je vais retirer le chat. En vrai, ça cache l'écran et je suis pas sûr que ça sert vraiment. Nickel. 1979. Vous discutez sur le ponton. C'est l'été. 21h30 et le désert irradie encore la chaleur. Tu aimes les enfants? Demande-t-elle. Ah, on va avoir un enfant. Les enfants? Ils sont pas très futés et savent. Ils savent pas faire grand-chose. C'est moi qui sais pas faire grand-chose, apparemment. Je veux dire, et si toi et moi, on en faisait deux petits crétins? Pff, pas tout de suite, hein. Elle regarde de loin vers les montagnes. On a tout notre temps, pas vrai? Parlez pour vous, monsieur. Ne t'inquiète pas. Rassurez. Vous lui dites qu'elle peut encore se faire passer pour une étudiante. Mes ovaires ne sont pas au courant, dit-elle en riant. Un jour encore. D'accord. D'accord, un jour, elle dit-elle. 6 mois plus tard, vous faites votre demande au lit un dimanche matin. Ok, c'est une histoire. C'est dans le passé, en fait. Moi, j'aime pas suivre les chemins. On m'en empêche. C'est moi ou je suis bugué? Non? Qu'est-ce que je dois faire? Boîte ou quoi là? Vas-y, c'est bon, la manette, ça me casse les pieds. Ça bug trop. J'ai peut-être un joystick cassé en fait. C'est jeudi soir et Julia a déjà 4 heures de retard. Elle n'a pas appelé. Vous inquiétez et sentez la colère monter. Elle rentre alors que vous êtes déjà au lit. Elle n'est pas saoule, mais on voit qu'elle s'est bien amusée. Vous vous disputez lorsqu'elle installe, elle s'installe sous les draps. Bon, je l'ignorais. Franchement, je l'ignorais. J'ai pas envie de me disputer avec elle. Ne vous touchez pas de la nuit. Le lendemain, vous vous sentez coupable de vous. Vous êtes énervé. Et je ne suis pas énervé. Et lui demandez comment s'est passée sa soirée. Elle répond qu'elle a passé un bon moment. Vous ravalez un léger ressentiment. Faites du café et partez au travail. Elle nous a trompés, je crois. Hein. Julia aime toujours dessiner. Elle dessine des plantes de ses recherches. Elle dessine partout où vous allez et vous dessinez aussi. Vous posez et vous étirez comme Musclor ou bien vous posez comme un mannequin de chez Victoria's Secret. Je suis un homme, un bon, un fort. Vous êtes magnifique. Let's go.
Eh oui, chaque sacrée chute. Le jeu est joli. Encore 13 kilomètres. Oh là là. 1982. Bah, pour le moment, elle est déjà folle. L'été, Julia et vous adorez promener Bucket le soir. Il y a un festival en live. Les gens viennent de très loin et vous y participez. L'un d'eux sort un couteau et tente de vous voler. Oh là! Oh non, je sais déjà ce qui va se passer. Bucket prend un coup de pied. Biba, merde! Foutu clébard! Julia crie. Elle est troublée et a du mal à parler quand elle est stressée. Vous vous occupez d'agresseur. Je vais défoncer les crânes. Non, j'ai pas envie d'aller en prison. Je suis pas un fouilleur. Qu'est-ce que je choisis? Pif, paf, pouf, c'est toi qui pars. Bon bah, hop. Vous fouillez dans votre poche comme si vous aviez une arme et menacez de le tuer. Vous faites peur à tout le monde, il s'enfuit. Julia vous demande d'emprunter un autre chemin à partir de ce jour. Vous êtes d'accord, vous ne voulez plus repasser par là de toute manière. Dès lors, vous décidez de longer la rivière. 1984. Le projet d'enfant est repoussé par le travail. Oh non. Julia se voit offrir un poste à Yale. Yale est dans le Connecticut, à 3500 km de là. C'est un poste génial. Assistante du chef de département. Elle veut déménager. Vous, pas du tout. À convaincre de refuser le poste, bah non, je vais... Attends, quoi ? Bah non, en vrai, je vais lui faire plaisir, on va accepter. Vous lui demandez si elle accepte de faire des allers-retours. Vous ne voulez pas aller dans le Connecticut. Elle dit que ce sera difficile, mais elle accepte car vous ne voulez pas déménager. Vous lui dites de ne pas manquer une telle opportunité. Oh non, elle va avoir un accident de voiture. Elle va jamais revenir. Elle rentre à Boulder 3 fois par semaine. Quand même ! Par semestre. Julia est renvoyée chez elle après une crise. Elle a piqué une crise contre une collègue qui lui a emprunté des livres importants pour ses recherches. Elle avait complètement oublié qu'elle les lui avait prêtés 2 jours auparavant. On l'a retrouvée en train de pleurer dans les escaliers. Vous lui dites que vous devriez peut-être en discuter avec un professionnel ou bien vous préparer des macaronis. Bah, tu rigoles ou quoi? Après avoir vu plusieurs médecins et effectué de nombreux tests, craignent que Julia ne souffre d'une démence précoce. Elle n'a que 41 ans. Vous décidez de garder ça pour vous pour l'instant. J'ai eu la souris qui a chargé, j'ai eu un peu peur. Ok, c'était normal. J'ai pas le temps de lire. Bucket ne rajeunit pas. Julia est contente parce qu'il fait moins de bêtises autour de la maison. Une semaine plus tard, elle retourne à l'université. Je comprends pas, je pensais qu'elle avait fini ses études. L'état de Julia se dégrade. Elle oublie des choses en classe. Ses recherches sont un véritable désastre. Elle prend sa voiture et roule sans raison particulière. C'est la police qui la ramène chez elle. Elle est affligée. On la renvoie définitivement chez elle pour des raisons médicales. Aïe, 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 aïe. Certains jours, vous êtes confronté à Julia qui vous trouve géniale, traite vos enfants imaginaires de petits idiots. D'autres jours, vous avez affaire à une étrangère. Elle vous traîne au lit pour... Je vais pas le dire. Pour faire l'amour. Et au bout de 5 minutes, elle fait une crise de panique, persuadée que son père est à la porte d'entrée. Oula. Vous en parlez à sa famille. Ils sont bouleversés et font des allers-retours depuis l'Australie pour lui rendre visite. Pendant un moment, vos amis passent et apportent des choses pour vous faire plaisir. Son état empire. C'est le background, c'est normal. On attend. Vous passez vos journées à suivre Julia tout autour de la maison. Vous comptez les secondes entre les 2 visites hebdomadaires de Daniel l'infirmier. Il vous suggère d'installer Julia ailleurs dans un endroit avec une assistance médicale constante, un véritable foyer. Vous y réfléchissez pendant quelques mois. Vous décidez de placer dans un établissement de soins un plein temps ou bien vous êtes déterminé à prendre soin d'elle. En fait, j'ai peur. J'ai peur de faire le mauvais choix, là. J'ai envie de faire
ce qui serait le meilleur pour elle. Mais en même temps, après, si elle m'oublie, ça sert à rien, genre, de la laisser chez moi. Donc, en vrai, je vais quand même la mettre dans un établissement de soins à plein temps. Parce que si je m'occupe d'elle, au final, elle se rappelle même pas de qui je suis, ça va juste me faire du mal à moi. Je veux qu'elle se sente bien, donc je la mets à un endroit où elle sera en sécurité. Je crois que j'ai pas la bonne direction là. Si. Hop. Joli. Sa famille comprend votre décision. Vous trouvez un endroit fantastique à Boulder où Lee installé. Vous la voyez tous les jours, vous pouvez visiter ses espaces. Par contre, si je pleure ce soir, c'est trop horrible. Faut pas que je pleure. Vous allez au bar avec vos vieux amis. Malgré tout, ce n'est pas pareil. Vous vous dites que toutes les femmes disent à leur mari, si tu me places comme Henri l'a fait, je te tue. Vous vous décidez peu à peu à ne plus voir vos amis aussi souvent. Oh non. Oh non, je vais pleurer. La sœur de Julia, Suzanne, déménage à Boulder pour se rapprocher d'elle. Elle vient la voir tous les jours. Vous l'accompagnez de temps en temps. Suzanne vous achète une vieille machine à écrire et vous encourage à l'utiliser, vous que vous ne voulez pas voir de thérapeute. Vous n'en avez aucune envie. Vous avez toujours apprécié Suzanne. Attention, Suzanne, hein. Attention, hein. Pas de tentation. Et moi passe, Bucket meurt. Oh. Julia ne se souvient plus de lui quand vous lui annoncez. Oh non. Des fois, il faut une minute avant de vous reconnaître. Au fond, vous vous dites que c'est parce que vous venez de moins en moins la voir et vos visites espacées font qu'elle vous oublie de plus en plus. Vous pensez. L'été approche et vous voyez une annonce pour du travail dans le journal. Vous l'acceptez. Ah, et c'est ça. C'est ça, le travail. C'est le jeu auquel on va jouer, le travail. Garde forestier. C'est du morse. Ça va, il a coupé. C'est pas trop fort d'ailleurs, Chrome. Comment ça, il marche pas ton truc, chef? Bah ouais, vous l'avez cassé. Okay. De quoi? De quoi que je l'ai? Ah non, je vois absolument rien, moi. Attends. Je vais réduire la fenêtre pour voir. Non, ça ne fonctionne pas. Ah. Non, c'est pas un feu que ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, bref. Vous me faites perdre du temps ici, hein? Aïe. J'ai monté tout ça, j'ai même pas remarqué. On s'y sent bien. S'y sent mieux qu'à mon cote.
Bonjour. Comment je valide? Lâcher mage pour parler. Hello, whoever this is. It's Henry, right? Yeah. I'm Delilah. Yeah, that's what the guy said on the phone. So, what's wrong with you? Excuse me? What's wrong with you? Il y a ça dans la vidéo TikTok que j'ai mis. What's wrong with you? That's a great idea. Go ahead. Look, I just hiked for 2 days, so I don't really follow whatever it is you're doing right now. You take a stab at what's wrong with me. Fine, then can I sleep forever? Sure, buddy. Okay, now go ahead. Non, 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 fait du PGM, c'est terminé. Tu as tué 3 ex-maris, hein, quoi? Tu es rebelle contre ta mère. Je suis censé répondre aussi rapidement, là? Ça y est, ça commence. Non, 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 non. Non, mais par contre, les gars, j'ai installé Valo, et en vrai, ça me plaît pas mal. Donc, on verra si je fais pas des streams Valo, un de ces quatre. T'inquiète, je rage pas comme Max. Comment ça, tu viens de comprendre que c'était Flavio dans le chat? Ça me paraît assez logique, moi. J'avais son écran avant. Bon. Non. Pas stream lol. Désolé, je crois que j'ai loupé mon réveil. Comment je fais? Allez, je vais lâcher shift. 14 hours of sleep? Ooh. Yeah, Jesus, I guess it's what, 6? 6:45. Whoops. Don't worry about it. That hike puts everyone out of commission for a day or two. But now that you're up, let me quickly... Allez! There's a thing in the middle of your room with a round... Ah, ton message a été bloqué, Fla. Je vais... Hop. D'accord, j'ai pas écouté du coup. Il faudrait quelque chose de rond. Non, non, hé, oh, oh, oh. Faut arrêter là. Bon, tant pis. Je dois trouver un truc. Attends, j'ai trouvé un truc rond. Je suis vraiment si nul que ça. Ok, yeah, I see it. So now you're ready to work. Ok. I'm new. I wanted to look around. Honestly, on my first day, I did the same thing. So anyway, this is the Osborne Firefinder, invented in 1914 by W.B. Osborne. Arrête! Après! Après, on lance League of Legends. Non, non. Ah, bah pourquoi ça? Hein? Un seul coup? On va activer ça, mais je vais juste désactiver la chatbox. Voilà. Ça me paraît mieux. Et du coup, je crois que je vais couper la lecture, parce que sinon, c'est un peu chiant, voilà. C'est bon. Je suis ready, là. N pour utiliser la boussole.
Ou ça, des feux d'artifice. Je dois faire quoi? Zoomer. Orienter. Elle a dit quel côté, j'ai pas compris. Oui, je les vois, mais comment je réponds là? Il va feed ses rangs morts. Je sais pas ce que c'est feed. Your job is whatever I say it is. Look, the closest ranger is like 2 days away. Go down there and set him straight. C'est-à-dire leur mettre la raclée, je peux filer une amende. Do you think you can handle that? Do I write him a ticket? Easy there, Dirty Harry. Well? Get going. You'll probably need a rope to get down the shale between you and the lake, if I remember right. There should be one in the supply box on the way. The code is 1234. It's actually that for all of them. Par contre, ton overlay cache le jeu de fou. Ah ouais? Genre de fou ou juste un peu de fou? On va régler ça, t'inquiète. S'activer les oiseaux. C'est bon là, c'est mieux? Ma cam trop grande. Je vais mettre ma cam là, tiens. Hop. C'est bon là? Je peux jouer ou bon? C'est bon là, ça cache plus trop là. Ouais, c'est pas au milieu, ça me saoule, je suis trop perfectionniste. Voilà, c'est bon là, je joue là, hein, ça suffit. Du coup, je vais chercher un truc, je sais pas quoi maintenant. Nickel. Ça rebondit vraiment dessus. Je dois chercher dans une boîte des cordes. C'est ça, non? À ouvrir? Je sais pas. J'étais pas concentré sur le jeu, je sais pas ce que je dois faire du coup. Je vais trouver une boîte, je sais pas quoi, avec des cordes. C'est pas ça? Ouais, c'était pas là, quoi. Super. Heureusement que t'es pas dans Until Dawn. Ouais, Until Dawn, il faudrait que je le refasse, mais il faut que je l'achète du coup. Ah ouais, en plus, dans Until Dawn, no spoil, hein, mais dans Until Dawn, ça se casse la gueule, hein, ce truc-là, là, dans lequel on est. La tour de garde. Bon, par contre, je dois trouver une boîte avec des cordes. Je peux pas m'accroupir. Tu dois regarder les feux d'artifice encore? Tu fous de ma gueule. Ouais, je regarde les feux d'artifice. Non, bah ok, j'ai compris, je dois descendre et je dois aller voir les feux d'artifice. Content stream, content warning. Mais j'en ai fait un hier, mec. J'en ai fait un hier, avant-hier, en VR, c'était trop bien. Enfin, j'ai eu envie de vomir un peu, mais avec un petit mode et tout. Alors, M pour lire la carte. Je suis où moi? Je suis là. Et les feux d'artifice. Les feux d'artifice sont là-bas, je crois. Hein. Mais je suis où les feux d'artifice? Je les entends, mais je les vois pas. Arrêtez! C'est par là, je crois.
Trouver la corde dans la boîte du service des forêts. C'est la cage 306, je me rappelle. Arrêtez! Putain! Ah oui, c'est R pour courir. Non, attendez. Les gars, lisez le pseudo, vous allez comprendre pourquoi je t'y ai arrêté. Je trouve la boîte de matériel. Super sécure. Copier les infos. Ok, carte actualisée. Q pour lire. 7787, Ron. Ça, c'est un code à retenir, mon avis. Eh hey mec, le type n'a pas récupéré ses affaires, alors j'ai verrouillé son poste d'observation et j'ai mis ses trucs dans la boîte. J'ai trouvé une de ces barres que tu aimes. Je dois faire un tour dans le parc, mais on va s'en mettre une bonne à mon retour, Dave. Q. Yes, c'est pas la bonne touche. J'ai trouvé la corde. People just stuff these things with old food. That's how you get bears. Those boxes are bear proof. I wouldn't worry about it. Vas-y, je la prends. Ah, stylé ça. Non, je pouvais la manger. Allez, let's go. C'est pas la mienne, mais bon. Ah, par contre, ma cam comme ça, ça le fait un peu moins, non? Voilà, j'arrête pas de toucher à ma, j'arrête pas de toucher à mon live. Je peux pas m'en empêcher. Transformer. Ah, c'est verrouillé. Transformer. Voilà, c'est mieux. Parce que sinon, je regarde vers rien, quoi. Voilà. C'est une pomme de pin, frérot. Moi, je l'étais mis. Je peux pas le reverrouiller. Hey, I found a note to a guy named Ron from some guy Dave. That's probably Dave Gaskell. He's completely nuts. Is that right? Harmless, but yeah, one of those, you know, fall off the grid and eat ants for a week type, totally fucking cuckoo. Which is kind of what the job attracts. Bon, du coup, ils sont où ces feux d'artifice? Ils viennent de là, hein. Ils viennent de l'ouest. Ils viennent de l'ouest. Yeah. R pour activer et désactiver la course. Juste là, hein. Je tourne en rond là. Je dois aller derrière la colline peut-être. Non, je suis. Ok, je suis sur le chemin. Mon contact, c'est payé par carte. Attacher la corde au crochet.
C'est pas cool ça. Je fais bien, je fais bien. Hey. What the hell's wrong with you? My rope snapped coming down the shale slide. You didn't break anything, did you? No, I think I'll make it. Well, be careful for Christ's sake. Eh ben, ça va être compliqué là. Staring at the big outcropping down here, but I'm not quite sure where to look for our pyrotechnicians. Maybe keep heading west toward the lake. Let's go, let's go. J'ai pas du tout écouté ce qu'elle disait. It is a hell of a nice camping spot down here by the lake. I haven't been down there in years, but yeah, Jonesy Lake area is perfect. Je crois que ça va se terminer très vite le live si je fais ça. C'est quoi ça? Canette, allez hop. Ah nickel, il y a une boîte là? Non, c'est des sacs à dos. Ah merde. They left their packs tied up here. Don't fuck with them. The last thing we need is some hikers filing a report about harassment. Oh look, they decided to have a campfire too. You know, they color-coded the fire danger signs in case people were illiterate. But I guess that doesn't take into account just plain stupid, does it? Ça, on va la boire, non? Alors, on peut pas. C'est notre métier après, hein. Donc on nettoie. Well, they left their clothes out to dry. It looks like two people. What if they're naked? Won't that be exciting? Look, they're obviously still there, so tell them off and then head back. I found a bra. A nudie pyromaniac. Remain professional. There are panties. There are what? I don't want to say that word again. Why? Because you're 12? There's a. Ooh. Yes? C'est deux femmes. There are two naked ladies out here. C'est des sirènes. Come on, I like naked ladies same as anyone, but there's. Va éteindre la radio. Two? Yeah. Full stereo! Whoa, hey, put that down! Seriously, it was expensive! Fucking cool it with the fireworks! Please just put it down! We won't light anymore! This guy's creepy, Chelsea. You probably have a tiny dick! Don't pull any more shit or you're fucked, all right? Don't threaten us. Yeah, who the hell are you, creep? He's just one of those lonely guys who likes to boss people around. Why do guys think it's all right to just stare at girls? J'ai pas vu le temps, en fait. Took all of your stuff. Fireworks, the whiskey, you name it. What? You dick! Also, setting off fireworks out here isn't just stupid, it's illegal. Can we just get out of here? Ew, totally. You asshole! Light another firework and it won't be your stereo, I rap. T'es un connard, Enzo! Je pensais que c'était une vanne! Ouais, c'est ça, ouais! Quoi, vous allez à la nage jusque l'autre côté là? Comment regarder le poste d'observation? Hey, that go okay?
Tout works. I might have got a little hot. What's a little hot? Some of their personal property. Okay. Took a swim? Ugh. Well, I can't do anything about it now. Nope. Thanks for dealing with him, though. Seriously. No problem. Du coup, je dois rejoindre un certain truc. On est où, nous? Ah, on est loin! Attends, mais j'étais pas là de base. Ouais, donc je vais revenir là où j'étais tout à l'heure, quoi. Et du coup, vers l'est. Donc je vais juste prendre la boussole. Des canards, là? Allez, let's go. Ah, c'est quoi ça? Hey, there's a trail to Two Forks Tower down here near the lake. Yeah, that's your tower. So I should go this way. Well, you're not climbing back up that slide. Bon, on verra ça. Je suis la rivière comme dans l'histoire. Je remonte la rivière. Confession to make. What is it? Look, I was drunk last night when I welcomed you to the job. Yeah, well, you're not the first boss to be guilty of that. I know, I know I can get a little pushy, you know, putting you on the spot about why you're out here and stuff. It's fine. I'll keep that sort of a thing to a minimum. Anyway, let me know when you get back to your lookout. Franchement, ok, on fait ses excuses, sympa. Bon, on va courir un peu. C'est pas le coup. Il n'y a pas de nuages. J'espère qu'il ne faut pas retenir les chemins parce que je fais pas attention. J'observe, je trouve ça joli, mais je ne fais pas attention au chemin. Genre si on perd notre carte ou je sais pas quoi. Bah voilà, on va peut-être trouver une. Je peux pas prévenir pour la boîte. Je peux pas. Allez. On va essayer 1, 2, 3, 4. Ah, merci beaucoup pour le follow. Il va y avoir toute ma famille sur le live, en fait. Bon, bah, ils sont pas très sécurisés, mettre 1, 2, 3, 4 sur tout leur coffre. Ah, merde. Poser. Bon, tant pis, hein. Ah, et... Ça, je l'ai, Enzo, j'ai la ref maintenant. Je suis son beau-frère, si quelqu'un se demande. Pour activer ou désactiver la torche. Ok. C'est tout. Copie les informations de la carte. KH303, ok. Coucou. Alors, où est-ce qu'on est? On est... Ah bah ça va, on a bien couru. En fait, c'est tout petit le domaine. Ça va. Ouais, bah on va aller au sud maintenant. Sud. Ah. Grotte. What's in this cave down here? In Thunder Canyon? Thunder Canyon? Hey, I didn't name it. But in the cave, I don't know.
know, rocks. NFS tells people not to go too far in there. It's pretty dangerous. So I say, fuck it. You're a grown man. You can go where you want. Great. Used to go caving with someone back in Colorado. She loved it. Might be great to explore it sometime this summer. Peut-être que ça va me permettre de remonter. Obviously, be very careful. Hello. J'avais ça aussi dans les dits sur TikTok. Ah, trop bien les refs. Du coup, maintenant, je vais avoir les refs. This cave is gated off. It's to stop spelunkers from dying without getting the keys from the Forest Service office first. Makes sense. Although Debbie says she lost them like 3 years ago, so maybe its mysteries are locked away for good. Ah, damn. Yeah, but maybe you can find another one to get your caving kicks in. Oh, this one's so close to home and convenient, though. Oh, sorry, Hank. Quand tu ouvres les coffres, pense à regarder la map sur le couvercle. Quand tu l'ouvres, ça te donne des infos sur ta map. Attends, je vais juste retourner du coup à la carte. Bah, je peux rien faire là. Ah, ok. Tutu Forest, Lookout, Thunder Canyon, Beartooth Point. Ok. En vrai, moi je crois que je vais aller par la grotte. Tu as déjà fait Duolingo. Il est quelle heure? 21h12, j'ai pas encore fait Duolingo, non. On le fera en live. Alors ça te le rajoute dès que tu ouvres la boîte. Non, non, c'est juste que je l'ai fait manuellement. Je me rappelle avoir fait ajouter les notes à la carte. Ça te met des tracés pour savoir les chemins et tout. Ok, je vais regarder ça. Et tracer tu all climbing gear, c'est quoi ça all climbing gear? C'est tout petit par contre. Ok, bah ouais, je sais pas, ça me met des tracés, c'est les tracés rouges là. Ok, et on va éviter de traîner pendant ça, non? Oula. There's some guy out here giving me the creeps. The creeps? Wait, he's looking at you? Is he doing anything else? I don't think so. Henry, there's something someone should have told you about this area. What is it? It's outside. Come on. The whole thing. People come and go as they please. It's madness. Yeah, okay. I get it. Look, bumping into someone in the middle of nowhere is part of the fun. Fait des blagues et tout. Ok. N'oubliez pas giveaway normalement ce soir, hein. Les 3 mois gratuits de Spotify Premium, enfin Spotify Nitro plutôt. Oh là là, Discord Nitro, je suis en train de m'emmêler les pinceaux là. 3 mois gratuits de Discord Nitro. Vas-y, encore un peu, nickel. Panneau senti fermé. On se demande pourquoi. Fais une story, ça va ramener du monde. Y a personne qui va venir. Et en plus, là, c'est ma cam. C'est ma cam. Mon téléphone, c'est ma cam. Je fais comment pour faire une story? Faut que je retire ma cam. En vrai, c'est rapide, je peux le faire, mais... Du coup, vous voyez tout l'envers du décor. Y a pas grand chose quoi. Je vais faire ça.
Je fais la story maintenant. Stylé. Nouvelle story. Appareil photo. Ah merde, il faut le lien de mon live. Sinon les gens ils peuvent pas venir forcément. Ça va pas fonctionner. Hop hop hop. Tableau de bord. J'ai gestionnaire du stream, partager le stream, copier le lien. Appareil photo. Ok, ce soir, on est en live sur Firewatch sur Twitch. Dites coucou les petits amis. Et du coup, ce soir, après mon live Firewatch, je fais un giveaway de 3 mois gratuit à Discord Nitro. Si vous passez et que vous restez jusqu'à la fin de live, vous pourrez peut-être tenter de gagner ce Nitro. Voilà, je mets le petit lien, ajouter un lien. Voilà, terminé. Je fais un giveaway de 3 mois gratuit à Discord Nitro. Si vous passez et que vous restez jusqu'à la fin de live, vous pourrez peut-être tenter de gagner ce Nitro. Ok, ce soir, on est en live. Ok, c'est fait. Je remets la cam. Par contre, ouais, je suis un peu deck parce que j'ai... Comment ça s'appelle ? J'ai Revolut, là. Et j'ai le Reddit qui augmente à fond et je peux pas le vendre parce que je suis en live. Hop, c'est bon, la cam va revenir dans 2 secondes. Webcam. Cam. Et alors ici. Ça fonctionne pas. Activer, activer, c'est bon. J'espère que ça fonctionnera. Hop, let's go, on est reparti. Coucou Insta, un peu tard le message, c'est dommage. La cam est bien remise, je remets le pied. Comme ça, voilà, nickel. Alors. Well, that trail isn't closed anymore. Yeah, I took care of the blocked path. It was backbreaking, but, you know, anything for the service. Well, thank you. Anytime. Nickel. Un panneau, là. So this generator is all the power I've got out here. Yep, it doesn't go through much gas, and, well... Have much in the way of electronics, so. So it's just the outhouse then, in terms of going to the bathroom? You're a man, Henry. You can go wherever you want. Well, number one at least. And full disclosure, I pee wherever I want as well. Je peux pas les utiliser? Toilette extérieure. C'est une très bonne idée, la story. Là. Ah! Ma machine à écrire. Respecte un peu. What can I do for you? Well, my typewriter is on the ground, outside of my tower. You write? Yeah, look, the wind? No. How the hell... You should get inside. Fuck me. On va lui tabasser le crâne. Ah. Someone broke in. They what? They wrecked the place. Threw my typewriter out the window. C'est des deux ados là. Motherfucker. Holy shit. Une veste qui était pas là avant. My fucking sheets are gone. They stole your sheets? That's just mean. Yeah, it sucks. I'm gonna have to fix the window. Tomorrow, Henry, you won't be cold. Okay, I put in a call.
Okay, thanks. Do you have any idea who would have done this? Les adolescents. I did probably piss off the girls at the lake. Ugh, fuck them. Well, I'll have the rangers keep an eye out for a couple of young women and question any they find. I can't believe someone would do this. I worry about bears and fires, and that's about it. And now I've got to worry about some... what, violent campers? Okay, in the morning I'm gonna call my friend Patty, who works the desk down in Cody. They keep a list of everyone who's officially been in and out of the trailhead since... I don't know, forever, and see if we can get a list of names. We won't get much, but at least if anything else happens, we can refer to it and see if anything comes up. Thanks. I need you to feel safe out here. Don't worry about it. Oh, you can protect yourself, huh? I just don't worry about it. Perfect. Keep that attitude up and you'll have an excellent summer. Jour 2, wouhou! I'm awake. What's your problem? Our problem. Sorry, our problem. That storm knocked out the phone line. I used Calma. To the service, which means we're cut off. I tried radioing out, and that's not working either. I don't really know why that would be the case. Should I be worried? About what? We can't get help if we need it. Oh, you're tough, Hank. You don't seem like the guy who likes to ask for help. Sure. What I need you to do, though, is hike out to where the wire runs through your area and report back if it's down. Then I can track down a ranger to get someone on it. Okay, I can do that. Where is it? Inspecter les lignes de télécommunication au nord du canyon. Yeah, of course. So, you're gonna want to go back there, go through it, and keep going straight to the north when you come out. Will do. Thanks, Hank. It's Henry. What, you don't like Hank? Yeah, I don't like Hank. But thanks rhymes with Hank. No, it doesn't. Okay. Ben non, j'ai essayé que la manette de play, et je sais pas pourquoi, mais je glitchais dans le sol. Enfin, je pourrais essayer, mais je sais pas pourquoi, c'est... ça fonctionnait pas bien. Déjà, la manette qui se déconnecte est chiant, mais... la sensibilité est très lente. Je connais pas les contrôles en plus maintenant. Zoomer, prendre ça... comment je prends la... sûrement pas comme ça. Ok. La boussole. Bah en vrai, allons-y. Jouons à la manette. Et tout à l'heure, je sais pas, je... tu vois, c'est bizarre ça. Je peux venir chercher une manette et le livre joue à Fall Guys. Ouais, bah tu prendras celle-là, hein, parce qu'elle bug. Hein. Regarde ça. Je sais pas pourquoi, mais... Je glitch. Ah, ça fonctionne pas. Hein. Attends, j'essaie avec une autre manette. Est-ce que j'ai le problème là? J'ai pas le problème avec celle-là. Bon, en vrai, tu peux prendre la manette. Moi, je joue clavier-souris. Tu peux venir chercher cette manette. Elle fonctionne parfaitement. La noire déconne. Le câble, je crois que c'est le câble de base. Si tu veux, je te le mets sur la chaise à côté de moi, comme ça, si jamais tu veux pas passer à la cam, tu peux la récup. Tranquille. Alors. Mais attends, elle veut jouer à Fall Guys, mais la play, elle est ici. À moins que t'aies installé Fall Guys. C'est Fortnite. Ouais, enfin, on est qu'à 10% du téléchargement du jeu. Ah ouais, bah... à ce soir, hein. Sur PC, ok. Map.
Inspecter les lignes de télécommunication au nord du canyon. Bon bah déjà du coup je dois faire est, nord, est, nord-ouest, est, nord-ouest, est, donc on va aller par là. Tu vas venir dans 3 heures? Dans 3 heures, au moment du giveaway en fait. C'est à cause de toi que j'ai du mal à suivre le live. Ah ok, ça rame en fait. Ah ouais, mais il va falloir que je redescende ça du coup. C'est un malade, Henry. Merci Oléo pour le follow. Putain, du coup, il va falloir que je trouve un truc pour faire un giveaway. En vrai, c'est facile, il y a des bots qui le font. Il y a des chocolats. Mais moi, il est clean si tu... Il y a des chocolats, qu'est-ce qu'il raconte? Peut-être que je vais passer partenaire ce soir avec le monde qu'il y a sur le live. WSE, bah, je dois aller par là, je suppose. Yep. Rappelez-moi, hein, quand on termine le jeu, enfin le jeu il est pas long si. J'ai eu 46 minutes. On va regarder le live en famille. Bah ouais, il y a tout le monde. Pourquoi je peux pas passer par là? Tchac, 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 par ici en fait, peut-être tout simplement. Ok. Rappelez-moi le giveaway. Fin de soirée. 5-6 heures de jeu, mais on va jamais terminer. J'avais lu 46 minutes. Ah, clairement, on ne pourra pas le terminer ce soir, du coup. Map. Ça va, en fait. 4 balles pour 5-6 heures. Faut pas essuyer la douche demain. C'est pas l'endroit pour mettre ce genre de message. Du coup, nord du canyon, on va aller par là. On va aller à cache 302. Je l'avais fait en 2 jours en jouant le soir bien chill à mon aise. Ok, ok. On fera ça en 2 soirs, alors. Et ce soir, giveaway. Je sais pas, on a qu'à faire ça à 23h30, le giveaway, si ça va à tout le monde. Cache 303. Ok, bah, go nord, du coup. Quand je descends, c'est ça. Bah oui, je me disais bien, c'était bizarre de la finir aujourd'hui. Oh, bah, aujourd'hui ou demain, du coup. Si je termine à 4h du mat, il n'est pas non plus méga long, mais bon. Ouais, enfin, on va pas essayer le speedrun. Mais oui, en fait, dans mon... J'ai pris un mois de... Enfin, en clair, avec mon PC portable que j'ai actuellement, j'ai eu un mois gratuit à Xbox Game Pass. Et dedans, j'ai 3 mois gratuits à Discord Nitro. Le truc, c'est que pour avoir... Et c'est là la condition, attention. Enfin, giveaway de chaussettes sales, non. En fait, j'ai eu les 3 mois de Discord Nitro, mais il faut ne jamais s'être abonné à Discord Nitro pour pouvoir l'obtenir. Et moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois. Donc, je peux pas l'avoir. Et du coup, bah, je le donne. Voilà, je donnerai le code du Discord Nitro. Ah oui, bon, du coup, là, je dois aller au nord. On venait de là-bas, je vais aller par là. Signaler la brume? Bah non. On te les laisse, t'inquiète. Balek Discord Nitro, ah ouais. Apparemment, non. Non, non, j'ai pas l'argent pour un jeu. En vrai, je pourrais... Attendez. Xbox. J'ai...
J'ai plein de trucs gratuits avec le Game Pass. Tous les soirs, je peux faire un giveaway, hein, s'il faut. Mais je crois que... Ah, il y a Kira qui est dehors. Mais je crois qu'il faut connecter des jeux et tout, donc chiant. Je crois qu'il n'y a que Discord Nitro que je peux passer. Et si je vais dans Avantages, je vais vous dire un peu tout ce qu'il y a. Service Xbox rencontre des problèmes actuellement. Aïe, 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 aïe. J'ai des trucs pour Apex Legends. J'ai UFC 4 pack de démarrage premium. Warframe pack Wake Up Theno, mais il faut avoir le jeu. EA Sport FC 24 pack surcharge. Supercharge, il faut aussi avoir le jeu, je crois. Multiversus, Vigor, Smite, Monster Hunter, PGA Tour, Naraka, un truc chelou, Blade Point, Persona 3 Reload, et j'ai un code, Discord Nitro, 3 mois gratuits de Nitro, échangé avant le 31 du 1 2025. On est large. Mais bon. Et sinon, il y a Apex, Charm Kit, mais avantage disponible, ça, je crois, je peux pas, c'est lié à mon compte, je crois. Donc, bref. J'ai reçu une notif, les services Xbox peuvent avoir des problèmes. Que des jeux nuls, quoi. J'en sais rien, jamais joué. Just don't. Fair enough. Calmos. Hey, can you hold on a sec? Sure. Just gonna keep hiking and hoping it warms up. Elle révise son espagnol. I don't think so. Why have you? Okay, good. Hey, your button is still down. No, I don't think he has any idea. I'm absolutely sure. Persona 3, si tu es un otaku, ça passe. Je sais pas ce que c'est. We can talk about my wife, Julia. Oh, like your wife, or like she's taken half my stuff, wife. My wife. À quand un giveaway? Non, j'ai pas l'argent. She's sick, and I shouldn't be here, but I am. I'm sorry, Henry. What is it? We'll get into it. Okay. Well, in the meantime, you are here, and it's beautiful, and escaping isn't always something bad. Yeah, sure. Like I gotta go do a thing, but I'll have a radio. Oui, j'en ai deux, et alors? I can see the wire you're talking about. It looks like it's in good shape from here. We'll follow it up to the top of the trail if you can. You can head back. Pas de chocolat, non. Got it. Pas de bras, pas de chocolat. So we really can't reach anyone any other way than these wires? What else do you suggest? Smoke signals? Just seems dangerous. Well, if they don't hear from me for a few days, they'll send someone out. But I'd rather it not come to that. J'ai déjà des bonbons ici. Oh, la chance. Et moi, j'ai... Allez, là. Et moi, j'ai ma gourde Air Up avec le super goût. Donc, c'est le moment de faire une petite pause pour boire. Avec mon super pod fraise verveine citronnée. C'est pas bon. PK, Delia elle essaie de se séparer de te femme, cette rageuse. D'accord. Du coup, je sais rien faire. Je fais quoi du coup? Ah, il y a un truc là-bas. On va aller voir. Si vous continuez de spam cette chaîne. Alors, Rémi Watt, si vous continuez de spam cette chaîne, Twitch pourrait vous. Hein, cette chaîne Twitch, vous pourriez être tout simplement banni temporairement ou définitivement. Warning. Hey, I found a structure that might have been an outhouse once, I think. Whoa, you don't need my permission to go to the bathroom, but, you know, use abandoned shitters at your own peril. I mean, I'm in the right area? I do believe. The comms wire runs for quite a ways. Follow it all the way to the top of Beartooth Peak, and if it's not damaged, you can loop around back home. Heureusement que j'ai désactivé la lecture automatique des commentaires parce que ça aurait été un foutoir. Well, I hate to tell you, but everything out here is in the middle of nowhere. You know what I mean. Am I on the right track? Just keep following the wire to the top of the ridge, and then you can head back.
J'ai un beef avec Nightbot. Mais elle est drôle, ça part dans les deux sens là. Attends, vers le nord, vers le nord. Le nord c'est par là, donc c'est par là que je dois aller. Fly, il parle plus trop, hein. C'est pas en pleine game de... Il y avait un truc là. J'ai pu parler deux secondes. Ah. Attends, mais... Mais... C'est des bugs ou... Dans deux floors, il se passe quoi? Comment ça, dans deux floors, il se passe quoi? Ok, poteau électrique. Il y a marqué un truc qui se passe dans deux followers? Moi, je vois pas, en tout cas. And I saw her face. Ça me donne envie de remettre ma musique. T'es à 83 sur 85. Je crois que c'est juste un objectif, mais je suis pas sûr. C'est un objectif fixé par Twitch. Par contre, ce qui pourrait être intéressant, c'est de regarder où est-ce que j'en suis pour devenir partenaire. Donc avoir des émotes personnalisés, avoir des bits, avoir des dons. Bon là, fieu, où est-ce que je dois aller? Là? Non. Ok. Can you see the communication wires from where you are? Bestie, il y a des fautes d'orthographe dans ton truc de uTip. uTip n'existe plus de toute façon, donc... You wake up pretty early then, huh? As soon as the sun comes up, Forest Service really frowns on us putting up curtains for some reason. I'll get used to it. Been a bit of a night owl for a long time now. Oh, it's fine. I mean, fires don't really start until 11 a.m. or so. Seriously? No. Good lord. I just thought maybe it was one of those things like how earthquakes only happen. Ouais, faut que je l'enlève. Le truc le plus fou de toute ma vie. Non, je vais pas mettre mon PayPal. Le truc le plus fou de toute ma vie, c'est. Je me dis. Oh putain, la cam par contre elle bug un peu là. Oh là 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 là. Le téléphone serait pas un peu chaud. Oh là là. Qu'est-ce qui se passe? Même remboursement, il faut un seul M. C'est pas grave. Ah ok, putain, je sais pourquoi ça bug. C'est parce que ça m'a lancé automatiquement le truc display, là. Hop. Tout effacé. Ok, ça devrait peut-être un peu moins bugger, là. Et au moment où je dis ça, ça bug. Hop là. J'allais dire un truc. Ouais. Je vois une pub pour uTip. Je me dis, mais c'est nickel, je vais mettre sur uTip, je peux faire plein de trucs gratuitement et je peux me faire un peu d'argent. La semaine d'après, ça ferme. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai passé je sais pas combien d'heures à personnaliser des trucs sur uTip pour que ça ferme une semaine après. Alors que uTip, ça, vraiment, ça existe depuis genre 6 ans et il fallait. Oula. Et il fallait que le moment où je me lance, ça ferme. Donc qu'est-ce que je peux faire moi maintenant ici? J'ai pas des objectifs par hasard? Et je suis en train de revenir en arrière là. Je suis en train de me perdre. Enzo, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'un professionnel. Par où je dois aller? Par là, je suppose quand même, mais... Ouais, à mon avis, je dois aller sur le pic, là-bas. Je suis pas fou, j'entends un bruit, là. Il y a un gars qui me suit. Tu dois aller sur le pic pour voir le câble. Ok, nickel. Mais je peux pas aller par là, putain, ça fait deux fois que je me fais avoir. Petite tente là-bas. À la vière.
Nickel. Heureusement qu'Enzo est là. Aucune sécurisation. Bon, du coup, copie les infos de la carte, je le fais directement. Ça me permet d'aller où? Two Forks Lookout. C'est là où moi je suis, pourtant, non? Thunder Canyon Cache 302. Cache 302. Attendez, on est où? On est en haut, nous? Attends, ça n'a aucun sens. Two Forks Lookout, c'est là. Et ça me dit que si je vais à gauche. Ah, aussi, que si je vais au sud. Oh non, bah, ok, c'est logique. C'est juste. Ah ben non, c'est pas logique. What? Bizarre. Pomme de pin. Y a rien à tableau. C'est quoi? 6 pieds sous terre, ok. 6 pieds sous terre, un livre. Ah, super! D'accord. Je suis un connard, je mets tout par terre. Merde. Ok. 30. Ah, mais c'est une date, putain. 30 du 7 86. Donc 7 du. Non, 30 du 7, c'est dans le bon ordre. Dave, salut. J'ai eu ton message qui disait que tu voulais parler. Pardon de ne pas t'avoir relancé. Je t'ai cherché toute la journée. Je pensais que tu serais près du canyon en train d'aider les étudiants, mais on dirait que non. Je ne sais pas trop comment t'aider. De toute manière, on est collègues, tu sais, des amigos professionnels. Si t'as besoin de compagnie pour t'envoyer des bières et refaire le monde, Ron est toujours là, mais je suis pas très doué avec les choses graves. Enfin, on se comprend. À plus, Ron. Ok. Who are these guys, Ron and Dave? They're leaving notes for each other in the boxes. Is there any chance one of them was that guy I saw in the canyon? You know, the Ok, guy with the tranquille. flashlight? No, they're both rangers. They're not out here this season. I didn't really know them that well, but the only thing Ron cared about was chasing tail and getting loaded. It's somehow comforting to know that he was able to keep up a correspondence with someone who C'est qui pour wasn't Back going to Mountain? take Je connais pas. helpless Polaroid. L'impression qu'il y a des gens qui me suivent. Je peux rien faire par ici, bien évidemment. Les câbles, ils sont où les câbles? Ah. Yeah, okay, the wire's down here. Really? Awesome. Good find. It's like, I don't know, a mile and a half east of me. You just follow the trail up the hill, you can't miss Ok. it. I'll go see what the damage is. Lequel des jokers? Enfin, lequel acteur du Joker? Une carte Google Play d'une valeur de 50 euros est cachée dans cette vidéo. Sois le premier à le retrouver pour gagner cet argent. Je pense à ça parce que ça se trouve, il n'y aura personne qui pourra prendre le. Ledger of the Dark Knight. Ok. Je me dis, ça se trouve, personne pourra récupérer le. Non, la canette. Discord. Ouais, compliqué de remonter après. Ouais, moi je suis chaud de terminer le jeu ce soir, c'est juste que. Ah ouais, du coup, qui va demain pour rechercher les copies? Moi je crois que je vais demain matin ré récupérer les copies. Mais enfin ouais, je sais pas. En vrai, si je suis seul, je suis en, mais bon, de toute façon, il faudra quand même que j'y aille. Oh, raisin, mais non! Tu sais que je suis ta chaîne, raisin, si c'est toi.
Et oui, je regarde tes vidéos. Oh là là. Que du love, que du love. Let's go. Mais c'est toi qui l'as invité, Enzo, ou... J'ai même vu... Et tu sais pourquoi je joue à ce jeu? Parce que j'ai vu ton classement des jeux de... Tu as fait un classement où tu parlais de jeux indés ou je sais pas quoi. Et j'étais en mode, oh putain, ce jeu a l'air fou. Et Enzo, en plus de ça, après lui, avait fait une affiche en cours qui parlait du jeu. Puis là, j'ai vu que c'était en réduc sur Steam. C'est Enzo qui m'a teasé le stream. Je suis venu, oh, nickel. Et du coup, je me suis dit, vas-y, il est en réduction à 4 balles à la place de 20. Parce qu'ainsi, je le prends. Ah là là, trop bien. En top 3, let's go. Comment je vais là? Ah. Ouais, ah ok. Coup, je disais peut-être qu'on fera le... Si je termine le jeu ce soir, on peut faire le giveaway au milieu de la soirée. Hein. Enfin, genre à... On peut faire ça à 22h30. Par contre, je regarde, mais je repars dans 10 minutes. Je dois faire un truc. Je mets le stream en fond. Merci! Par contre, il y a des petits lags avec la cam. Hein. Il y a un petit retard et tout. J'ai pas écouté ce qu'elle disait. Foutu. Vu où t'es, je pense que t'auras fini ce soir. Oh, ça va alors. Si je vais demain, il faut que je me réveille en vrai. Ok, Google. Mets un réveil à 7h demain matin. Voilà, votre alarme est réglée pour demain à 7h. Ok. Active. Active. Excuse-nous, Tony Stark. Pardon. Excusez-moi. Je redescends, mais ça se trouve, il y avait encore des trucs à faire en haut. Non, rien à faire. Ok. J'avoue que j'écoute pas trop ce qui se passe là. Il y a combien de viewers? Il y a des gens qui savent voir le nombre de viewers ou pas? Attendez, normalement j'ai un doc. Enfin, j'ai un. Ça s'appelle comme ça sur. Statistique, voilà, c'est ça. Il est où mon doc statistique? Trois personnes, ok, trois. Pourquoi est-ce que je peux pas afficher mon. Ah, statistiques Twitch. Quatre personnes. Zéro clip. Oh non, Samuel Etienne est en live. Ah merde, c'est pas la dinguerie. C'est pas là la dinguerie, c'est après. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qui pour masquer, ça fait 1h30, 1h40, 83 followers. Ok, j'ai quelques statistiques en vrai. Mais avant, j'avais les événements. Je veux retrouver les événements. Flux d'activité Twitch. Voilà, comme ça, je peux voir qui s'est abonné et tout. Donc, il y a eu ce soir. Non, ça, c'est il y a 3 jours. Hier. Mais non, j'ai pas vu. Mais il y a Socaris TV qui s'est abonné. Bah, y a Raisin qui s'abonne. Merci Raisin pour le follow. Du coup, il y a Socaris qui s'est abonné à moi hier et j'ai pas du tout vu. MDR. Enzo, il y a 2 heures. Rémi Watt, il y a 1 heure. Auré Trash, il y a 40 minutes. Oléo, il y a 23 minutes. Et Raisin, il y a bah, 7 minutes. Voilà, il y a même pas, enfin, 7 minutes, si, du coup. Ok, c'est pas mal. C'est cool, c'est cool. C'est cool. On reprend le jeu direct. Ah merde, les statistiques, c'est ça, j'en ai pas besoin du coup. Hop. Firewatch. On est reparti. C'est cool ça. Je sais pas ce que je dois faire, j'ai pas du tout écouté. Peut-être que je vais aller par là. Pas un truc à faire par là. Pas un truc à faire par là. On dirait qu'il y a un petit espace là-bas, il y a peut-être un truc à faire. Il y a absolument rien à faire, super. Je sais. Je sais plus comment, mais je sais que j'ai entendu dire que il y a un moment dans le truc, c'est genre, ouais, c'est qui dans la tour? Genre, il y a quelqu'un dans ma tour. La tour où je suis censé être.
myself trapped out here? Well, hopefully that doesn't happen before you find these assholes. I was thinking you should probably head back to where you saw him last. Ok, et je fais comment du coup? Oui, c'est ça que je disais quand je parlais de la dinguerie. Ok, par contre, j'ai rien écouté, je suis une merde, putain, je m'en veux. J'ai tellement touché à tout pour que mon live soit parfait que là, je suis perdu. Où est-ce que je peux aller pour me sortir de là? Je vais pas sauter. Il n'y a pas d'inventaire. Hein. Derrière. Par là. Non. Pas là non plus. Par là. Ok. Supprimer. Sentier bloqué. Supprimer. Je peux pas. Pourquoi? Il me faut une pelle. Derrière, par là peut-être? Non. Wesh. Là? Longue chute. Retourne vers le pic, ok. J'aurais dû écouter. Hop, on en profite. Je retourne vers le pic. Ok, je suis au pic. Et là... Ah, putain, bien vu. Ah, bien vu, tu connais le jeu, mais... Merci, quoi. Non, non, on va éviter de descendre, parce que je pourrais... Attends, quoique. C'est quand même par là que je dois aller, mais bon. Merde, non, non, je voulais... Non! Je veux nettoyer. Et je peux monter là, ça sert à quoi ça? Ça sert à remonter là? Ça sert à remonter là, ok. Genre pour se dépêcher en fait. Je parle beaucoup, je sais, pardonnez-moi, pardonnez-moi. J'essaie juste que si jamais il y a des gens qui viennent sur la live et qui disent s'ils parlent pas ce mec, je me barre. Ben voilà quoi, je préfère qu'ils se disent ils parlent un peu beaucoup, mais au moins ils parlent. Il faut que tu parles. Bah ouais, c'est ça, il faut que je parle. Mais bon. Faut animer sans arrêt, c'est ça le plus fatigant. Bah, je sais, après ça fait longtemps que je fais du live. Hein. C'est pour ça que j'ai arrêté les streams. Ah, mais non, faut continuer. Moi en tout cas, j'aime bien ton contenu. Poste d'observation incendie. Dit tout fort. Donc c'est par là ma maison. Merci. Ok, bah merci, bah de rien. je suis où, moi? Je suis là. Et là, je vais dans... Par là, c'est quelle direction? En fait, c'est qui, Raisin? Raisin, c'est... Tu te rappelles que je suis venu dans ta chambre il y a genre 3 mois en te disant... Ouais, il y a... Bah, d'ailleurs, je m'étais foiré à ce moment-là. Je me disais, ouais, il y a un mec de ma classe qui monte des vidéos, mais c'est pas du tout lui. Du coup, c'était Enzo. Tout à fait, c'est le futur Squeezie. Et en fait, c'est une pote de Enzo qui est dans ma classe, un bon pote à moi, et elle fait des vidéos sur internet. Et je regarde ses vidéos très clairement, je regarde ses vidéos parce que je trouve ça, le montage, je le trouve super drôle. Du coup, nous, on veut pas du tout aller vers le nord, nous. On veut aller, enfin, on suit les canettes. Il y a pas de canettes qui pourraient nous indiquer le chemin en vrai? Ça tombe vers le nord, mais on rentre pas chez nous. Bien alors, on va vers le sud et on rentre chez nous. RPZ, on est là. Dangereux un peu ce passage, non? Ah ouais, il y a un petit sac à dos et tout. No, it looks like it was lost a long time ago. Well, you could always pilfer it for supplies. Brian Good... Good...
Goodwin. La future Magla. Ah merde! Je me suis pris en photo. Ah nice, une corde. That's lucky. I mean, there's enough rope here that I could just leave them hooked up, I think. Oh, get this pack. Ah bah voilà, nickel. Single-use cameras. With pictures left? Yeah, he only used 3 or 4. Neato. Thank you, Brian Goodwin. Wait, who? The bag had the name Brian Goodwin sewn into the top. Huh. Wow. Do you know him? Yeah, I just haven't heard that name in a few years. Il est mort. Ça fait trop longtemps, je ne saurais pas dire. Avant, je streamais sur YouTube il y a super longtemps, quand c'était encore possible de streamer sans avoir genre 1000 abonnés et tout. Je crois que le mec, il a dead ça ma vie. Pourquoi c'est Ned le type qui a mentionné ce message? Hop. Could be, yeah, but I think at one point they just realized this job wasn't for them. For Brian, at least. Huh. Anyway, so it goes. Have, fun with that camera. Try not to snap anything that would scar a photodome employee. I don't know, I got a lot of hiking to do. Might get bored. Well, I'm bored as rocks, so I'll keep you company while you find those girls, huh? Laissez-moi descendre! Wesh! Wesh. Ah ouais, tu trouves? Ah, ça se trouve, voilà, bah voilà, je suis juste con! Putain, c'est pas un truc de fou! Ouvre tes yeux! Sur le côté! Ah bah, j'ai vu du coup maintenant! Merci quand même! Oula! Ok, nouvelle boîte! Ah ouais, je suis très con, moi. Je sais pas compter. Hein. Il y a ma femme. Oh, il y a une petite enveloppe. Ah non, mais... Carte. 37%, il va falloir que je la fasse charger. Un message, encore. J'aime bien lire un message. C'est pas une girl. C'est pas une girl's girl. C'est pas une girl's girl. Pas une girl's girl. Pas une... Bon, je vais pas essayer de comprendre. Alors, toujours Dave. Devine qui sort avec Debbie la semaine prochaine. Non, pas ce débile de Steve. Ton pote Ron. L'anglais en moins de... Eh oui. Je suis allé voir le nouveau guetteur, celui de Two Forks, et je l'ai entendu marmonner. C'était un peu bizarre. Alors j'ai préféré garder mes distances. Tu te souviens quand t'as vu le guetteur de Chimay Rock qui se tripotait dans son hamac? Je commence à croire que les services de forêt n'attirent que les étrangers et les pervers. Enfin, à part nous, bien sûr. Nous, on est la crème de la crème. Allez, buvons à la santé de Deb, Ron. Il commence à faire noir, non? Est-ce que j'allumerai pas une lumière? Elle va où cette lampe? Je peux peut-être allumer ça. Il faut lui demander de parler anglais. Non! Ron, t'es gay toi, non? Il a pris des phrases pour une équation. Il a changé Ron depuis Harry Potter. Attendez. Aïe! Je me suis fait trop mal. Il y a une prise là. Ah merde, ok, c'est bon. Je vais brancher la prise en essayant de ne pas me tuer vu l'état de la prise. Je vais m'électrocuter, vous allez rien comprendre. Appelez les secours. Comme ça, j'aurai une lampe ici. Hop là, ça fait tout la light. Nickel. Du coup, on avait terminé de lire cette petite note. C'est quoi ça? C'est un caillou? Oula. Someone found a fossil and put it in a cash box. Ah merde.
Je suis Karine Le Marchand. T'es gay? Ah ouais, t'es gay. Je vais me faire ban de Twitch. Let's go. J'adore ce jeu pour le moment. J'ai envie qu'il dure des heures. She's got Alzheimer's, like dementia. Whoa. How old was she? Is she? She's alive. She's with her family in Melbourne, Australia. She's 43. Ah ouais, on te l'a dit tout à l'heure. C'est elle qui est amnésique ou quoi? On lui a dit qu'elle était malade. We were scared shitless. We went straight to the doctor after her first spell or whatever. They diagnosed her and we were both just very scared. Can't really tell when Julia is scared. She just gets quiet. She was very quiet. J'aime plus ce qu'on fait là. Flapjack off his ass and out to repair that wire. Excuse me, Flapjack? You know, like a loser, a chotch. Je me sens un peu observé. Don't, but I do now. Well, the next time you're at a bar and some banker steps on your foot so he can order his crappy martini, you've got just the name to use. Hey, Flapjack, why don't you wait your turn? T'es parano, ouais. Je me sens un peu observé. It's beautiful. It's beautiful, na 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 na. Pardon, c'est vraiment, ça m'a juste fait penser à ça. Je sais pas, j'entends des bruits dans les arbres là. Ça me fait un peu flipper. David Guetta, je l'ai. Ah, nice. Bah, j'espère que c'est Enzo qui l'a. Il y a un truc là. C'est quoi ça? Il y a un feu là. I see a really thin plume of smoke. Yeah, I see it too. A thin plume like this is either a new fire or a campfire. Campfire? You think it's them? Shazam a reconnu. I reckon so. M'étonnerait. To the ça m'étonnerait. Le Google, peut-être. Shazam, ça m'étonnerait. That should put you in the neighborhood. Keep an eye on that smoke plume. Let me know if it's getting any larger. Will do. C'est un malade en rien. Vous avez vu les sauts qu'il fait? Firestick, tu trouves un corps mort dans le jeu, sick. Est-ce qu'on vient de me spoil ou... Allez, c'est ban. Alors... bannir... C'est ciao. Et hop. Voilà, nickel. Ouais, en soi, en général, le spoil ne me dérange pas parce que ça change rien à l'aventure que tu vis pendant le jeu. L'important, c'est le trajet, c'est pas l'arrivée. Oh, belle musique. Mais en même temps, c'est chiant. Donc je banne. Vous les bannez tous ces petits bâtards. C'est pas grave, c'est quelqu'un au moins qui ne gagnera pas le nitro. I've got an overgrown trail here. Yeah, that'll happen. So I'm screwed when it comes to getting past it? Mm-hmm. Screwed until you clear yourself, yeah. Great. Well, if I come across some tools, I'll add groundskeeping to my ever-increasing list of responsibilities. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas lui. Ah, super. Enzo, c'est pas David Guetta, t'aurais pu réagir. Ah, j'ai déjà ouvert celle-là. Je suis de retour à un endroit... Attendez, je suis où sur la map? Ah oui, bah ça va, on est bientôt de retour. Donc là, maintenant, il faut aller vers l'est. Et l'est, c'est... par là. Sauf que je peux pas aller vers l'est. Ah, c'est par là.
My bad. C'est pas. T'inquiète, on t'en veut pas. Va d'abord voir la fumée. Ah ouais, putain, j'avoue, la fumée. J'avais déjà complètement oublié. C'est moi l'amnésique, c'est pas Julia. Hein. C'est vraiment moi l'amnésique. Voilà. Et en fait, c'est moi qui ai tué les gars. J'ai oublié. La fumée, c'est par là, nickel. Putain, ça va, il y a des gens qui sont... qui connaissent bien le jeu. Juste qui ont une meilleure mémoire que moi. Heureusement, sinon je serais vraiment rentré à ma tour en mode tranquille. Je vais me mettre dans mon lit, épouse. Roux médecine. Delia, pas Julia. Mais non. Julia, c'est celle qui est amnésique. C'est moi qui suis amnésique, du coup. Vu que je retiens pas. Non, Delia, c'est juste la meuf qui parle à la radio, mais elle est pas amnésique, elle. Julia, c'est ma femme. Elle est dans le Connecticut. Merde. Pas par là, apparemment. Ah, ok. J'avais pas compris que c'était ça, ici. Oh, bah, c'est rien. C'est juste un Indien qui fait son feu, alors, tranquille. Ouais, je suis teubé ou comment ça se passe? Comment je vais la fumer? Un chemin par là, mais c'est de là que je viens, non? Did your wife's illness have anything to do with you taking this job, or did you just fall prey to the service's big recruiting push? Pose un peu trop de questions. J'aime pas ça. Saw the job in the paper and figured, you know, what the heck? What the heck? I've got no ties and no life. Better go spend what's left of it in utter loneliness. Something like that? Yeah, thanks to last summer, the bump in Forest Service budget actually allowed for us les to femmes, quand ça aime, ça s'intéresse aux gars. Oh, you're talking about that giant fire that probably caused some damage. Oula, je me suis brisé la nuque. Brownies don't have jamborees. Well, they should. And you don't know what the hell I'm talking about, do you? I do not. Jeez. I mean, the federal government almost let Yellowstone National Park burn to the ground? Ring a bell? Yellowstone is like, what, 15 miles away? Why would they do that? Je sais que c'est pas par là, mais on peut découvrir des trucs, non, un peu. Ça nous servira peut-être plus tard. Yes, putain. Vous me rappelez 22h30 dans 30 minutes giveaway. It's Yellowstone, you know. People don't want to touch it, but we touch it every single day. But hey, I got a 30 cents an hour raise because we can't have another. Je mets le hashtag giveaway. Hop, tag giveaway. OK. Tu vas voir. C'est comme ça. J'ai eu le Game Pass gratuit un mois et dedans
tu vas voir un père avec j'ai eu le Game Pass gratuit un mois et dedans j'ai 3 mois de Nitro gratuit, mais bah, je peux pas parce que j'ai déjà été abonné à Nitro auparavant. Du coup, je peux donner le code à quelqu'un, donc c'est ce que je vais faire. Agri de ne pas savoir écrire comme ça. Trop bien. Bah ouais, mais pour ça, il faut ne pas être abonné à Nitro. Enfin, ne jamais s'être abonné à Nitro, donc... C'est un peu limité, j'ai envie de dire, comme... comme giveaway. Elle est où la colonne ? D'accord. MDR, j'ai mis du temps, mais j'ai la ref. Mais attendez, mais c'est moi qui viens de poser cette corde là. Je viens de faire un aller-retour pour rien là, on est d'accord. On voit tout le lit derrière. Non, mais la dinguerie de se sentir à soi-même à ce point. Se mentir à soi-même à ce point. Qu'est-ce qu'il a dit? Attendez, elle est où la colonne de fumée là? Je la vois plus moi. Elle a caché ça entre deux phrases. Bon, en vrai, ça m'étonne pas que je vais tomber sur un cadavre, vu que l'autre con là, j'ai trouvé son sac à dos. Enfin, si c'est lui, j'ai trouvé un sac à dos et une corde coupée en mode le gars il est tombé de je sais pas combien de mètres de haut. Il a pu se péter une jambe et puis il s'est fait buter par un ours, j'en sais rien moi. Pour récupérer les infos, par contre, c'est pratique. C'est un lien, mais c'est pas aussi simple. Ok. Des pions de personnes disparues. C'est pas ça l'histoire en fait. Il y a un tueur en série. Hey, c'est Roosevelt. T'es boire un verre avec une fille et elle me lâche qu'elle avait un mec entre deux phrases. Je me permets pendant que ça parle. Ça rajoute du dynamisme dans le live. Ah, faut répondre. You really didn't like that guy, did you? I don't know. I honestly just had a hard time talking to him. I mean, there are little seriously won't shut up who call me about every little thing that pops into their head. And then there are those who just want to be left alone. He was the latter. And I'm the former. Les meufs, ça dit rien par hasard, retenez bien. Mais c'est quoi ça bug? Il y a des fantômes. C'est un fantôme qui l'a tué. Tu es sûr, les Goodwin n'ont pas été dévorés par un Grizzly? J'ai jamais eu de bug. Je l'ai beaucoup, moi. Une petite tortue. Oh, le petit toutou. Actually pretty cute. Oula. J'ai jamais eu de bug. Bah putain, c'est rempli de bugs. Turt Reynolds. Ah, parce que tu refais plusieurs fois le jeu, à chaque fois tu rates la tortue. Je
je l'ai adoptée. C'est ma tortue. Avoir adopté une tortue. Elle vous suivra. Attendez, parce qu'en fait, j'ai pas activé les trophées Steam. Merci Maria. OMG, on a atteint l'objectif de followers de 85. Merci Maria pour le follow. Pas une fois, je l'ai eu en main. Maria, à mon avis, Maria, c'est Maria Luesa, donc c'est l'une de mes colocs. Alors, du coup, j'allais activer quoi dans la capture du jeu? C'est sa propriété, les fenêtres comme surcouche de Steam. Let's go, Maria! Un followers en plus, ça fait plaisir. Hein. Et pour Maria, allez, allez! Et pour Maria, allez, allez! Allez! Je l'ai fait une fois, la première fois que j'ai lancé le jeu, mais j'ai relancé la partie et ça m'a supprimé le trophée. Oh, ça peut supprimer les trophées, carrément. Oula, il y a le brouillard, là. Oui, c'est moi, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, je vais trop bien. Peut-être que demain, je passerai aux cotes. À voir. Je sais pas si vous êtes là, parce que je dois aller rechercher des copies de... les copies de mes examens. D'ailleurs, dans le mail, le premier mail que j'avais reçu, il était marqué que ça coûtait... Je vais peut-être rendre visite. Il était marqué que c'était genre 25 centimes la copie et là je dois payer 5,50€. Va t'en savoir. Mais ta gueule, putain! Casse les couilles! 6 balles, 50 perso. Ah ouais? Je vais devoir regarder moi-même mon live. Il n'y a que moi au code si jamais, bah, j'irai voir du coup. Quand même. Oh, les musiques. J'ai hésité à prendre le pack de musique avec. Hein. Mais c'était un peu plus cher. Excuse-nous. Le gars, il a quand même des jumelles intégrées à ses yeux. Regardez. Je peux tomber ou pas? Rémi, ouais, t'es toujours pas venu chercher sa manette. Hein. On est là, nous. Faut aller au nord. Et non pas Éléonore. Cette. Je vais pas dire le nom. Je vais pas dire le mot. Si tu passes par là, désolé, mais je t'aime pas. J'ai la ref. Bah, bien sûr que t'as la ref. Non, elle est pas cool! Là, oh merde, attendez, il y a un truc là. Elle est pas cool. Elle est autiste. Et je la comprends pas. C'est la meuf qui a arrêté l'école et à mon avis c'est parce que le prof de dessin industriel arrêtait pas de dire que s'il y avait un problème c'était parce qu'on était autiste et que bah elle est autiste du coup elle a dû grave le prendre mal. Je m'ai déjà parlé. La boulette du prof de dessin de fou putain. On s'en rappelle, bah ouais, tout le monde s'en rappelle. That is some dedication. Well, I found some dangerous hunks. What on earth are you? It's the name of a magazine. Zone d'ado. Ah bah c'est peut-être les filles du coup. Les filles qui étaient là tout à l'heure. I have entered the teen zone. Oh really? And where's that? It's another one of those magazines. Oui, mais j'en ai déjà parlé. Le gars. Ça faisait 10 minutes qu'on était en examen, il sort la phrase « Est-ce que quelqu'un veut une corde pour se suicider ?» Je viens de dire un mot que je n'ai pas le droit de dire sur Twitch. Le prof dit, je vais la refaire du coup, vous n'avez rien vu ni rien entendu. Le prof a dit, au bout de 10 minutes de cours,
Oui, 10 minutes d'examen. Est-ce que vous voulez une corde pour vous, S-Word? Voilà. Et moi, pour la vanne, je rajoute genre... ah, moi, je suis grand, il faudrait aussi un tabouret. Et je ne crois qu'il voulait la corde pour lui, mais il cherchait un compagnon. Ouais, du coup, moi, j'ai dit genre pour la vanne, ah ben, moi, je suis grand, du coup, il me faudrait un tabouret. Et il a genre... Il m'a pris de haut en mode « Qu'est-ce que tu racontes ? Je vois pas de quoi tu parles. T'as jamais vu qu'il fallait un tabouret et une corde ?» Bref. J'ai peur de l'ouvrir. Rien dedans ? Ok, ça va. Il y a une note. Looks like someone left a note. Intriguing. Maybe you should read it. Okay, yeah. Let me know what it says. Pourquoi t'as réussi l'examen, toi? Tu t'es tabassé à la sortie des cours, tu vas voir. Cher psychopathe, j'espère que tu es content de toi. On s'en va, mais on va prévenir la police que tu as essayé de nous faire peur près du lac. Et que tu as détruit notre camp et toutes nos affaires. Oh, et voler des culottes, c'est dégueu. Tu es peut-être un assassin, arriéré, armé d'une hache, mais je te garantis que tu vas aller en prison. J'espère que ça valait le coup de nous prendre la tête pour nos feux d'artifice. Ok, je viens de comprendre un truc. Depuis tout à l'heure, je dis qu'il y a un gars qui nous suit. Quand j'ai quitté... Enfin, moi, je n'ai pas récupéré les culottes, je n'ai rien récupéré, il me semble. J'ai juste dit qu'il y en avait. Mais elles disent qu'il y a quelqu'un qui l'a récupéré et qui les suivait avec une hache. Je suis sûr qu'il y avait quelqu'un qui nous suivait. Et ils pensent que c'est moi. Alors que j'étais déjà suivi. Regardez. C'est une pièce à conviction. Tu mangeais le clip quand t'as pris la queue. C'est pas vrai. Tu sais, on sait pas, hein. Peut-être t'as pris une culotte au passe. Oh, they're gone, for sure. Well, what's it say? Threatening to call the police because they think I attacked them. Oh my god, what? Je suis envoyé sur le groupe de la classe. No, well, hey, I didn't do this. Okay, someone or something went to town. Bah, vas-y, je te banne. Je te banne 5 minutes, là. C'est bon, la manette a été, le paquet a été récupéré. Pour Enzo, allez, allez. Je l'ai banni, j'ai même pas fait exprès. Ouais. Unban. @ Enzo Massar. T'inquiète. C'était une vanne. C'était une grosse vanne, mais je pensais pas que ça allait ban directement. Merde, hein, j'essaie de faire un truc là. Et enfin, c'est quoi cette merde là? Voilà. Et je dois mettre le temps après? Oh, vas-y, ça me saoule. Je voulais te ban un certain temps, mais j'ai la flemme. Je comprends pas comment ça fonctionne. I didn't. I just threw their stereo in the lake. Yeah, I really wish you wouldn't have done that. Ah, tu as été ban, mec. Automode a retenu un message pour la raison suivante. Terme de caractère sexuel. Cliquez sur autoriser pour envoyer. Alors, si tu reçois une photo d'une random tous les jours pendant 3, je sais pas quoi, tu remplaceras à ce moment. Merde, il a glissé. Je vais rien faire pour pas que tu sois ban.
ok, je vais pas toucher à ce truc de ton mode. Et tu viens encore de te faire ban. Nota bene, il aime pas les mots, voilà, il aime pas ça. Et oui, bah oui, il faut être plus malin, il faut être plus malin. Utilise un i par exemple, je ne sais pas. De retour au travail. La vengeance en question. Oh putain, j'ai eu peur. Well, I get confused for Burt Reynolds all the time. Oh, is that so? Women say that we have a similar musk. Uh-huh. Hey, you asked. Okay, well, that gives me a good start. Now let's see. In my scope, I can only tell you're a white guy wearing shorts. Oh, ma petite tortue, là, vous. It's hot. And maybe, by the way, I'm not white. It's not very, you know, PC or whatever they say. Je suis pas blanc. À demi-tour, t'es blanc, mec. T'es un blanc chaud, t'es blanc, t'es blanc comme un cul. Même pas qu'on pouvait l'avoir chez nous. Oh putain, comment je la balance, la tortue. Sweatshirt I like, good jacket I got at the Buckle Barn. Ooh, I love the Buckle Barn. Just one of those brown ones, you know. Je peux pas genre l'utiliser. Now tell me about your face. I'm looking at you across the bar. What do I see? Well, I have a thin mustache, real thin mustache. I got a long scar, goes down across my eye and down my cheek. Well, I just happen to have a thing for thin mustaches. The thinner and pervier, the better. Well, then you are in luck. And a horrible scar. Just perfect. I want to know about your eyes. Get out of here. Je fais comment la vaisselle? I'm calling you. I need to know. Alors, je suis con. What? Y'a pas de robinet. Okay? Don't answer. I'm gonna si vous me venez votre... Fine. Your eyes, tell me. Je vais le dire. Ah, c'est pour ça. Putain, en pleine nuit, il doit descendre les deux étages de la tour pour aller chier quand même. Bien chiant. Saut Corentin. Je viens de comprendre un truc, mais je sais pas si c'est ce que tu voulais dire, Enzo. Parce que tu dis bave dessus. Et en dessous, je lis vraiment, genre, une faute d'orthographe, mais Corentin. Genre. Est-ce que c'est ça que tu voulais dire ou pas, Corentin? T'as la photo ou pas? On va éviter de balancer les dossiers quand même, il est pas là, mais bon, trop drôle. Bon du coup qu'est-ce qu'on doit faire, j'ai pas suivi encore une fois ce gros dégueulasse. Non, dommage. Si je dis pas parce que ça m'arrive. Et vraiment alors qu'il a une femme. Attends, quoi? Quoi? J'abuse, c'est abusé, et ça quand même, il mange des petits pots aussi. Non mais, je lui parlais, je me tourne vers lui, il y a eu un filet. Ah oui, oui. Attendez, je dois faire quoi là? C'était dans la lune, bah, il était endormi surtout, non? Mais non, c'est... non, il était pas dans la lune, il était concentré à mort sur Photoshop ou un truc ainsi, et il y avait son filet de baffe comme ça. C'est moi qui viens de faire ce bruit d'oiseau ou c'est le jeu? Ça a bien frotté avec la manche, oui. Ah. Je dois faire quoi là? Je travaille avec des handicapés. Ça marche.
et personne ne m'a jamais parlé avec un filet de bave. Bah, Corentin, Corentin, de toute façon, vous voyez le mème de Pedro Pascal? C'est Corentin. Et les gars, vous m'avez pas rappelé. Google l'a fait. Regardez. Il est 31. Qui ne bave pas, ne saute pas. Qui ne bave pas, ne saute pas. Bon, y a pas assez de monde pour le... Alors je saute. Comment ça, tu sautes? on fait un giveaway, mais il y a 3 personnes sur le chat, non? Statistique, il y a 3 personnes. Je fais plus tard, quand il y aura plus de monde. Mais il n'y aura jamais plus de monde, il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Mets dans le titre un truc à guicheur comme pool party à poil. Ben non, je vais juste mettre giveaway dans le titre, tout simplement. Hop. Giveaway. C'est comme ça qu'on écrit giveaway, je crois. Il est là, normalement. Guy et puis veway, quoi. Giveaway avec des points d'exclamation. Ok. Il est déjà 22h32, raisin. Mais tu vends tes paix en pot. Faire un hot tub. Ça se pourrait. En vrai, c'est grave possible de faire un hot tub. Maintenant, j'ai une piscine. Alors, par contre, j'ai très chaud. J'ai envie d'ouvrir la fenêtre. Mais le truc, c'est qu'il y a la lumière grande allumée. Si je sauvegarde la partie, ça fait quoi? Il y a un business sur les paix en poule, je vais m'y pencher. Comment ça s'écrit pas comme ça? Bien sûr que si que ça s'écrit comme ça, on me l'a proposé littéralement. Mais je sais, mais je... Give... Ah, attends, merde, je crois que j'ai juste oublié le A. Ça, non. Qui veut away? Ouais, mais ça n'existe pas, give away. Quand je vais dans les tags, j'ai pas et ça n'existe pas. Ça me propose que giveaway, genre en un seul mot. Pas facile tous les jours. Non mais vraiment, on propose giveaway G-U-I-V-E-W-A-Y. G-U-V-E-A-W-A-Y. Mais pas giveaway, genre comme moi je veux l'écrire. Je me joins à toi pour régler mes problèmes, j'ai pas de boudoir. Bah je vais écrire giveaway comme tu le dis, mais pour le coup moi on me propose rien d'autre. Donc... Giveaway, c'est un mot anglais. Merci, je suis pas con. Et juste Tolkien, c'est le mec con. Giveaway, voilà. Tu veux l'écrire comment alors? Bah, regardez. Moi, quand je mets giveaway, dans mes tags Twitch, ça me propose que giveaway comme ça. Pas autrement. Mais je sais que sinon, ça s'écrit... comme ça. Guy Fury. Guy is a rational guy. Guy is a rational guy. Vous connaissez pas Guy is a rational guy? Giveaway, c'est un verbe. Giveaway. Oh putain. Guy is a rational guy. Bon, j'ai mis à jour le stream du live. Je l'ai lu comme ça. Bon, on reprend le jeu ou bon? Non, j'ai pas mis giveaway. Quoi, c'est pas comme ça qu'on écrit giveaway?
Ah merde, putain, c'est pour ça. Attendez. Give. Ah ouais, bah maintenant ça me le propose giveaway en fait maintenant. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est à jour. Montre un téton. Ah bah c'était bloqué, mec. Y a que moi qui sais voir le nombre de vues sur ma story ou pas? Parce que je crois qu'il y en a pas beaucoup, y a pas grand monde. Je dois faire quoi là en fait? Revenons-en au jeu. Enzo, tu connais le jeu par cœur, j'ai pas du tout écouté. S'il te plaît, guide-nous, qu'est-ce que je dois faire? Oui, y a que toi qui peux voir, ok. Ok. Merci, merci. Je dois pisser, je reviens. Vas-y. On fait une pause pipi pour tout le monde ou... Bon pipi. Vas-y, on voit la preuve. C'est ma sœur. C'est ma sœur, Enzo. Putain de merde, quoi. T'es un malade. Il y a une planche près des coquettes. Des toilettes. Ah ouais, ma sœur jumelle, pas la preuve du coup, non, la toilette, elle est où déjà, la toilette, la toilette, Guy, t'as mis où la toilette, Guy? Si moi je demande preuve. Ah oui, bien vu, elle connaît le jeu par cœur. Bon, ah ben, on va jouer. T'as gardé. Quoi? Attendez. Ah, c'est lui, putain. Je l'avais déjà vu. Non, mais je me rappelle que j'avais mis 30 minutes à trouver celle-là. Des chiottes. On dirait... Vous savez, ça me fait penser à qui? Ça me fait penser au flic dans Souvenir de Gravity Falls. Elle est où la balle? Oh non, j'ai perdu la balle. Les dégâts au feu. Oh non, j'ai perdu la balle. Je voulais la donner à ma tortue pour qu'elle puisse jouer avec. T'as 45 ans, QE. Ok. Et du coup, ça sert à quoi? Ça sert à réparer, ma vitre? Non, Marie, ouais. Ouais! Il se passe quoi? Il s'est passé quoi? Au moins, j'ai pas de bug. Mais putain, mais. Je crois que c'est parce que j'ai fait ça. Regardez. C'est trop drôle. C'est rigolo! Ok. Y'a plus de planche. Installe poop map. Vas-y, on vole. Installe poop map. C'est quoi poop map? Ah oui, c'est tous les endroits où t'as fait caca. Je connais en plus. Vas-y, on répare. Elle va t'envoyer où est-ce qu'elle a tout fait caca. What's next? Oh. On verra un smiley qui tire la langue. Oh, je fais une photo de ma petite tortue. C'est
C'est juste un réseau social comme un autre, je vois pas de quoi vous parler. Mon rêve d'avoir full point dans les rentes. Sur la route. Prêt à travailler. Ouais, en vrai, je suis prêt à travailler, mais je dois faire quoi, là? Là? Je dois travailler là? Prêt à travailler. Dans l'école, vous êtes des détraqués, c'est un truc de fou. Eh, hey, fais gaffe, sinon je te passe un savon. Faudrait que je mette à jour les règles de ma chaîne pour quand il y a quelqu'un qui arrive sur la chaîne, il soit marqué que le backseat c'est ban. Vous avez chié 8 fois. Putain, il est con. Truc à faire là. J'ai une petite montre? Ah non, je pensais que j'avais une petite montre. Tu as des statistiques et tout? Putain, trop bien. Genre, t'as passé autant de temps à la toilette et tout, trop bien. Prêt à travailler? Bah ouais, je suis prêt, mais. Ok, je suis prêt. Ta position préférée et tout. Bien sûr. Tu dois faire une photo de ton caca à chaque fois en fait. Combien de fois tu vas par jour, par mois et tout? Jour 9. Caca. Mais vous êtes des malades en fait. Et j'aime bien la caméra au-dessus du chat en vrai. Je trouve ça sympa. Hello Henry, having a nice afternoon. Prends en photo. Ouais. Not too bad. I could get used to it out here. That's nice. Look, I called with... Quoi, mes fonds d'écran, je peux faire des fonds d'écran? Two young women, Chelsea Stevens. Attends. Je fais une capture d'écran. Hop là. Quel caca t'as jeté le... Je l'envoie la capture d'écran dans mon salon live, si vous voulez. Non, je me saute dans général. D'ailleurs, je vous invite à passer sur mes réseaux sociaux. Petit bonus si ça touche un passant. Mais il y a un jeu comme ça, excusez, il fait un jeu où tu dois lancer du caca ou je sais pas quoi. Le but c'est de toucher le plus de monde, ricocher et tout. Alors. Ok, t'es vieux. Attends. Trop bien. Oh, ça c'est cool par contre. T'es un ancien YouTube comme moi, j'aime bien. Bah attends. T'es vieux, mais est-ce que t'es vieux à ce point? On est bien, on est chez nous. Arrêtez les enfants de faire de la merde. Cette musique est totalement euphorique. Oh oui, c'est ça qu'on veut. Aucune émotion. C'est un film de gonzesse. Je suis super content. Cette musique, j'adore. Ce petit côté kawaii. Youtube, ce petit côté kawaii. Aïe, 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 allez hop, c'est bon. Mon ambiance est bien mise. Avec la lampe et la girafe, et oui. Et Jumbo, surtout. Enzo, tu vois le jeu GTA, là. Enfin, pas le jeu GTA, mais le géoguesseur dans GTA. Je veux qu'il y ait le géoguesseur de ce jeu, tout simplement. Excusez, c'était qui déjà? C'était celle qui lui mettait un rouge à lèvres méga grand avec une coupe au bol là? J'aimais pas celle. 15! Ouais. Ah, Squeezette, ok. Je pensais que tu parlais de Gwen. Gwen. Une feuille de papier. T'as le mec amoureux de Britney Spears. Tant tellement vrai.
Oula, alors là, je l'ai pas là en vrai. Peut-être en fait, attendez. Répondre à des. Elle est où la radio? Elle est où la radio? Là. What do you want? Hey, you big dumb idiot. Mais c'est nous qui sommes fous! Comment c'est possible? Elle se fout de ma gueule, elle se fout de ma gueule. C'est pas Julia, c'est l'autre là, elle se fout de ma gueule. Parce qu'elle peut pas se souvenir de moi. Elle sait pas qui je suis. Bon le chat, vous arrêtez de dire de la merde là? Jour 33. Je suis là, tu devrais te méfier de Delilah. Et il n'y a plus rien sur mon plan. Two Forks. Marcher vers le nord pour récupérer des provisions. Well, I get my stuff hand delivered. Oh, how's that work? It's the perks of a decade of service. You're out hiking in 90 degree heat and I get to do crosswords. Isn't life miserably unfair? Anyway, when you find the supply drop, remember it's not just for you, okay? Other lookouts, biologists, a few people get their food there and I don't want to have to call in for more. There should be loads of good stuff though. Beans, prunes, jerky. You know my sister eats 6 prunes a day. 6. She's like really precise about it. She'd be great at this job if she didn't need wheelbarrows full of marijuana to function. Ah, je reconnais cet endroit. J'ai presque plus de bonbons. Ah merde. Like 2 weeks ago, you called me in the middle of the night. You were sleeping, I guess, and all I heard was the name Jules through the mumbles. I just thought it was so sweet. I wanted to pick you up, but ça peut être possible malheureusement. Ok, on l'a déjà lu. I shouldn't be out here. Yes, you should. No, I just ran away from my problems. No, you didn't. We all fuck up. Look. So, a couple of months before I took this job, I was with this guy, Javier. He's incredible, caring, sexy as hell. He was a driller down in Casper. We dated for almost 5 years. Alors, tu vas être étonné, Bored, mais vraiment, il y a quand j'étais en deuxième secondaire avec Arauco, sans dire son nom. Quand j'étais avec Arauco, tu vois qui du coup, genre en salle d'études, on disait ouais, on va créer une chaîne et tout, on va faire des giveaways de Dragibus, et on était genre méga sérieux. On disait pas des giveaways, mais bref, t'as compris. On faisait des cons, on se disait, ouais, elle va faire des concours et tout. Javier said it was fine, he'd go to the funeral, take care of his mom, stuff like that, it'd be easier solo. When he came back, he left me. I came out here, I lied. Les giveaways, carrément. Bah non, mais du coup, mais bon. Des concours pour faire gagner des Dragibus alors qu'on a sorti une vidéo et il y a eu 0 vue. Ok, bah du coup, le truc que j'avais vu la dernière fois, c'était par là. Bon, les lignes électriques, elles sont réparées ou pas? Personne participait à part mes potes du coup. Ah, attends. Putain, je faisais des concours avec de la merde. Et personne participait à part mes potes, du coup, je leur donnais rien. Terrible cette époque, putain. Je l'ai vu dans ma story l'autre jour. De quoi il parle? Ah, Rocco. Ah oui, avec sa. Il sabrait une bouteille de champagne. Supplies. Oh, good. Enjoy.
Je me rappelle, j'avais donné mon adresse à Frigiel pour recevoir un hand spinner, j'ai jamais rien eu. Quel coup dur. Tout le monde, quelqu'un prend mes ressources, si c'est un 2, 3, 4 le code. Allez, je prends ceux des autres. Et alors? Ah merde, j'avais pas compris que c'était un fou. Aïe, 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 les mauvaises blagues. Oh, c'est elle. All right. I got everything I need out of here. Time to chat. C'est la tour de Delilah. Just yours, right? Who do you think I am? Alors, il y a Bourret Trash qui s'est fait passer pour Squeezie sur Snapchat pendant super longtemps et qui me parlait. Je vais t'étrangler. Tu te rappelles de ça, hein? Tu te rappelles de ça? Moi, je me rappelle de ça. J'ai répondu. Call it the big fire if we think it's going to be. The big fire. Yeah. Well, that is practical. Always my goal. On entend respirer en fait depuis tout à l'heure, vous auriez pu me le dire. Sometimes the best names are the most obvious. The big fire it is. So there's this creek down the hill and you know what my favorite thing to do is? What's that? I love to take a bottle of whatever I have on hand, plunge it deep into the water, and let it chill in there all day. And then, on nights like tonight, when it is so disgustingly hot, I have something nice to drink. I learned that from my sister in Santa Fe. She'd do that with a bottle of tequila near her house and make margaritas the size of your head. You'd like it there. I'm sure I would. Sounds pretty great. It is. Are you looking at the fire? No, I'm looking at you. Oh. Well, J'ai pas encore fait Duolingo. Okay, I'm looking at it again. I love how they look at night. During the day it's just... On va faire un truc. Est-ce que Duolingo ça existe en ligne ou pas? Si, le meilleur façon. Hop là, on peut le faire, nickel. C'est pas, j'ai déjà un compte. Il existe sur PC, mais c'est différent. Bon, on va faire ça. Avec tes Google. Y'a le son ou pas? Je me demande. Y'a pas le son. Si y'a le son. Y'a le son. On est d'accord, y'a le son. Vous entendez le son? Attendez. Ouais, vous l'entendez. Il est juste pas très fort.
Mais pas beaucoup, j'ai cru aussi, j'enlève un vêtement. Ah, c'est drôle ça. Son train est arrivé ce matin. He arrived yesterday, so he's really tired. Pardon? He arrived yesterday, so he's really tired. Allez, c'est bon. C'est pour ça que la meuf elle galérait avec Omemu Musumasa ou je sais pas quoi là. Il est arrivé hier, alors il est vraiment fatigué. Oui, MZ, je l'aime trop. En vrai, il est drôle. Je regarde que pour Duolingo par contre. He arrives tomorrow. Il arrive demain à 10h. Tom est arrivé avec trop de valises. Arrive. Bien joué, attention, ça se complique. Quand est-ce que tu es arrivé? Quand est-ce que tu arrives? When do you arrive? Oh, j'arrive aussi à 5h. Point, 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 nickel. C'est pas mal en vrai. Mouah. Bref, ça c'est fait. Giveaway. C'est là-dedans que je dois faire le giveaway. Giveaway. Keyword. Nitro. Ok, bah du coup c'est super facile de faire. Allez les enfants, je vous laisse gagner Nitro. Mais non, pars pas. Il n'y a pas assez de monde là pour faire un giveaway. Invitez vos potes là. Ok, ma montre a plus de batterie. Il est où le chargeur? Il est où le chargeur? Il est là. Hop. Faut le brancher. Par contre, sinon on va pas aller loin. Oh. Mes potes dorment, mais moi je devrais dormir. J'ai plus que 6 heures de sommeil. Il est encore court. Et voilà, il y a personne qui a besoin en fait. Il y a personne qui veut un giveaway. Tout à l'heure, il y a Oléo qui est en fait Zélie, Léo, qui a une sœur jumelle, lui aussi, tu vois. Oléo, ouais. Oléo, mais il est pas là, quoi. Tu connais un Léo qui habite à Tournai? Après, des Léos qui habitent à Tournai, il y en a peut-être 100, hein, donc... Est-ce que le Léo que tu connais... Il s'appelle pas Léo, je crois, si. Mais non, j'ai fait tout mon début d'année avec lui et à ma classe. Non, Oléo. Non, mais il s'appelle pas Oléo, hein, il s'appelle Léo. Posté Wankil dans sa chambre. J'ai jamais été dans sa chambre.
Normalement, il a une sœur jumelle. Je suis pas sûr. Si. Alors si, oui. Rime avec tranche, oui. C'est ça. Et c'est bien Léo, du coup, en effet. Il a les cheveux bruns, il habite à Tournai, il est en communication. Mais il dit pas son nom ! C'est lui, c'est lui. Supprimer le message. Mais non, c'est pas vrai. Mais si, c'est lui, mais nous, on le connaît parce qu'on a fait notre confirmation religieuse avec communion. Il a bloqué des potes à moi, on sait pas pourquoi. Ah, il est passé sur live, il s'est abonné à moi. MDR. Je traînais avec lui au début de l'année. Bah moi je l'ai trouvé sympa quand je faisais du solfège avec. Moi je lui ai pu parler depuis très peu de temps en fait parce que je l'ai vu au festival légendaire. Ouais. Bah Oléo, si t'es là, manifeste-toi, tu peux peut-être gagner un nitro quoi pour 3 mois. Je crois qu'il est parti quand j'ai dit qu'il fallait pas avoir un nitro. On fait quoi là? On continue le jeu, on attend qu'il y ait plus de monde, parce qu'à mon avis, il n'y aura personne en plus. Il y a eu. C'est qui Vivi? Il a peut-être déjà nitro en effet. C'est qui Vivi? Il y a Vivi sur le live. Victoria, c'est qui Victoria? Cinq spectateurs. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Et comment tu sais qu'elle est là? Je l'ai pas vue moi. Je la vois pas moi. Mais moi je peux pas la voir. Et il est marqué qu'il y a Firestick qui est là, mais Firestick c'est celui qui est ban quoi. Followers. Ça fait 3 heures déjà. 5 spectateurs. Bah, je la vois pas dans les spectateurs, moi. Ah, voilà. Tu vois, je sais pas si tu utilises Discord ou pas. Tu utilises Discord ou pas, Victoria? T'as le permis de conduire demain? Je peux le donner jusqu'en 2025. Ouais, bonne merde, Enzo. Mais non, mec, ça va rouler, c'est easy. Franchement, c'est easy, perception des risques. Tu ne peux pas rater, c'est pas possible. Vous m'entendez encore là ou pas? Je crois pas. Ah si, j'ai juste pas activé le stream deck. Ok. Mais ça va aller, t'inquiète. Tu peux le refaire autant de fois que tu veux ou pas?
Attendez. Je peux. On va aller voir pour map. C'est quoi ce truc? Bon les gars, je vais devoir filer. Mais moi je crois que je vais arrêter le live pour deux raisons. Déjà il se fait tard, demain je dois me lever pour aller chercher mes copies à l'école. Et en plus de ça, je dois respecter ma nouvelle application préférée. Attendez avant de partir. Je dois respecter un certain quota sur Twitch pour devenir partner plus. Et c'est en fonction du nombre de personnes sur les lives. C'est un genre de pourcentage. Sauf que si je fais des lives où il y a moins de monde, mon pourcentage va baisser. Donc je vais regarder combien est mon pourcentage là maintenant, et après j'arrêterai le live en fonction. Vous allez voir toutes les statistiques de mon live là. Mais déjà, ça c'est cool. Vidéo extension, ok. Faire en sorte que 5 personnes discutent en même temps. Faut parler à la balle dans le chat, les gars. Regardez. Voix de l'affilié. Pour devenir affilié, il me faut streamer un total de 8 heures, c'est bon. Streamer 7 jours différents, et je suis à 0,26 sur 3 spectateurs en moyenne. Moi j'ai toujours fait des lives à 3-5 viewers et je suis affilié. Bah ouais, mais justement, regarde-moi, je suis à 0,26 sur 3. Parce que je stream, il n'y a jamais personne en fait. Il n'y a jamais personne. Raisin, parce que tu comprends pas que c'est que ça fait vraiment des années que je stream. Attends, il n'y a pas. Si je vais sur mon profil. Oh, bah déjà, ça c'est cool. Récompense. Bah voilà, les gars, je peux vous faire ça comme giveaway. Ah non, ça fonctionne pas. Bon, attendez. Normalement, sur mon profil, qui est marqué depuis combien de temps je fais des lives, et ça fait vraiment longtemps. Déjà, ça c'est trop mignon. Je crois que je viens de me donner des bits à moi-même, non? Bref. Si vous voulez, il y a ça pour interagir entre les deux. Oui, moi aussi, on décide pas aujourd'hui. Il y a tellement de gens sur les plateformes que c'est de la chance pour percer. De fou, de fou, de fou. Bah, du coup, je peux pas voir depuis quand je stream, mais ça fait mais tellement longtemps, c'est un truc de fou. Ça fait genre 5 ans que je stream, 6 ans que je stream, et j'ai pas vraiment. Ah, attends. Là, on peut voir. Aïe, 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 plus de 4 personnes. En fait, il faudrait Rémi, mais bref. En fait, ce qu'il faudrait, les petits amis, si vous voulez vraiment vous voulez que je passe affilié, faudrait que, même si vous êtes occupé, vous lancez le live et vous le laissez en arrière-plan. Et le faites pas si vous pouvez pas, genre si vous êtes en 4G, le faites pas, tu vois, mais si jamais vous avez le temps, vous voyez, si jamais, pourquoi tu veux passer affilié? Je sais pas, c'est cool, je peux mettre des emotes déjà, je peux mettre des emotes, je peux mettre des points de chaîne, c'est trop bien. Moi je fais pas ça pour la thune en vrai, je fais juste ça parce que j'ai envie de passer affilié, parce que je sais que je pourrais rajouter des emotes personnalisées que je pourrais faire moi-même. Je pourrais mettre des points de chaîne, du coup je pourrais faire des trucs avec des points de chaîne, des trucs drôles à faire sur le live avec des points de chaîne. Et ben, j'ai vraiment envie de le faire. Mais du coup, si jamais vous activez les notifications, vous voyez que je suis en live, pourquoi pas, si vous avez l'occasion, aller sur live, vous le laissez tourner en arrière-plan, le son coupé, l'écran éteint, j'en sais rien, faites un truc, quoi. SVP. Bref. On va retourner là-dessus. Est-ce qu'on continue un peu ou pas? Je crois que je vais pas continuer le live parce que j'ai pas ma montre, merde. Il est tard. Il est
23h11. Demain, je dois me lever à 7h. Perso, je vais devoir partir. Ben voilà, perso aussi. Et puis, ben, demain soir, on termine le jeu en vrai. Pourquoi pas. Attendez, je vais remettre ma gueule du coup. Pourquoi pas. Hop, full cam. Pourquoi pas demain. On termine le jeu. Moi, ça m'irait bien terminer le jeu demain soir en vrai. Je kiffe à mort. Demain, t'es là, ok. Allez. Bah, demain. Ah, bonjour, Dean. Bonsoir, Dean. Comment tu vas, Dean? On terminait malheureusement le live actuellement. Ah, c'est Blandine, ok. Il y a toutes les potes de ma sœur qui sont là. Du coup, demain, en vrai, demain, je peux pas prévoir l'heure, mais vous pouvez déjà prévoir pour 20h30, 21h. Normalement, je relance le live. Bah, t'es trop sympa. Mais du coup, faudra les ramener demain. Et bah, du coup, à demain, les petits amis. Merci beaucoup de m'avoir suivi sur ce live ce soir. Ça m'a fait trop plaisir. Et je suis trop heureux qu'il y ait des gens comme ça qui me suivent. Par contre, pour être là, il va falloir te renommer. Hein. Il va falloir mettre Coca Chérie hein, comme pseudo. Je dis ça, je dis rien. Hein. Merci beaucoup pour... Ah mince, il y a le chat dessus. Merci Dindin27 pour le follow. Ça fait toujours plaisir. Tchac, 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 je vais fermer ça, moi. Voilà. Donc, merci à tous d'avoir regardé le live. Je vous remercie bien. Ciao.